Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour un live sur No Man's Sky. Donc tout simplement, je vais faire un truc qui va être sympa. Donc j'ai joué un peu de mon côté ces derniers temps. Donc j'ai un peu avancé parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont bien, un peu moins bien. J'ai pas eu le temps de faire des lives, je suis vraiment désolé. C'est que parfois on n'a pas forcément la tête à faire des lives. Des fois on a mal de crâne, des fois on n'a pas la possibilité de les faire. Mais c'est pas grave. Donc du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais reprendre un petit peu la mission. Donc la dernière fois, on avait fait franchement quelque chose de bien mignon. Donc on a exploré différentes planètes. Là, je vais me connecter, donc on est à 95 heures, donc c'est pour vous dire que le titre correspond à ce que j'ai dit. Donc on se rapproche pas loin des 100 heures de live, des 100 heures de jeu, pardon. Et vous allez voir, ça va être super fun. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement se faire plaisir. C'est qu'on va tout simplement créer une base dans une planète que j'ai choisie. J'ai exploré beaucoup de planètes, j'ai gaspillé pas loin de 3-4 heures de temps à vadrouiller un peu partout dans les systèmes solaires, etc. pour trouver une planète qui est belle, qui est propice, on va dire, au développement. Et j'ai trouvé en fait aucune qui m'a plu, à part celle-là. Donc cette planète, elle est magnifique, elle est belle. Sincèrement, c'est pour moi l'une des meilleures, les meilleures du jeu que j'ai trouvé en fait. À votre avis, vous allez voir où est-ce qu'elle se trouve. Je vais tout simplement vous montrer. C'est super fun en fait, hein, cette planète, hein. Donc là, je vais juste repartir vite fait en orbite si vous me le permettez, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds dans le jeu. Je vais faire spawn vite fait mon cargo. Hein. Il se fout pas de ma gueule, j'espère. J'aurais dû le faire sur Terre. Donc c'est bon, je vais la faire spawn tout de suite. Parce que ça fait un bon petit moment que j'ai pas mis les fesses en fait sur le jeu. Donc vous allez voir, donc il y a des choses qu'il faudra que je fasse. Des choses qu'il faudra tout simplement que je récupère et vous allez voir. Allez, on va rentrer tranquillement dedans et petit à petit, bah, le monde va arriver, etc. quoi. Salut, Farming Go. Comment tu vas? Tu vas bien? La forme? Donc là, vous allez voir, je vais faire un truc habituel. Bon, il y a des trucs que je vais faire, des trucs que je vais pas faire. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire. J'ai amélioré toute la base. Pour ceux qui regardent bien sûr les rediffs, vous allez être super contents. Donc la base sur No Man's Sky, elle est super bien avancée. Donc on a plusieurs bases, hein, comme j'expliquais. Donc là, j'attaque la troisième base, plutôt la deuxième, la plus grosse. Et ça va même devenir l'une de mes principales bases. Donc il y a des ressources que j'ai récupérées un peu partout. Juste deux petites secondes, on va faire un truc très simple. On va récupérer vite fait les navires de guerre. On va vite fait les prendre et vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai remarqué un truc dans le jeu. Au bout d'un moment, quand vous créez beaucoup, 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 beaucoup de choses, le jeu a tendance à laguer. Et ils ont fait un système un peu intelligent dans le cargo. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait crash, etc. Par contre, je suis passé sous la carte. J'ai perdu la progression du jeu. Donc heureusement que je sauvegarde assez régulièrement. Donc la plantation, faut savoir qu'il y a des endroits un peu morts en fait. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que plus vous allez construire, plus l'éclairage va tout simplement s'adapter aux fonctions de vos déplacements. Par exemple, toute la base n'est plus éclairée comme avant, parce qu'en fait, elle est tellement immense, la base, que ça demande tellement de ressources. Regardez bien, je vais vous montrer. J'espère ne pas passer sous la carte. C'est cet endroit-là, logiquement, où vous pouvez passer carrément sous la carte du cargo. Salut Cédric, comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi, tranquillou, hein? Merci en tout cas d'être là, hein, pour le live. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je récupère beaucoup les orbes. Les orbes, en fait, si vous voulez, en fait, c'est mes ressources à moi qui rapportent beaucoup de pognon. J'enlève la caméra. Regardez bien, j'ai combien de millions? 174 millions d'argent. C'est vraiment correct. Je suis vraiment bien. Donc du coup, vous allez voir avec les orbes combien d'argent nous allons récupérer. Donc c'est ce que je fais, en fait. De mon côté, j'attends que la production arrive à une bonne maturité pour pouvoir les récolter. C'est la seule plante que je récupère avec le truc de venin là, je sais pas quoi. Comme ça, vous allez voir combien d'argent on va obtenir. Vous allez me dire, putain, mais t'es sérieux? En fait, faut savoir que ça va peut-être vous prendre 5-10 minutes, mais à la fin, vous allez être tellement riche, mais à un point, que vous allez me dire, putain, la vache. Donc là, je récupère vite fait ça. Il y en a pour maximum, franchement, 5 petites minutes de rien du tout. Comme ça, il y a le temps que tout le monde arrive. Et vous allez voir combien ça rapporte économiquement, vous allez me dire, t'es pas sérieux. Ça rapporte tellement de pognon que vous allez tomber de votre chaise si vous êtes bien assis, j'espère. Non, franchement, c'est extrêmement lucratif, c'est très très rentable en fait. Et encore, j'ai pas tout mis, je pourrais en mettre deux fois plus en termes de culture, c'est ce que je vais faire après. Je mettrai aussi un endroit que j'ai découvert, parce que j'ai débloqué aussi des choses hors vidéo, des nouvelles structures que je vous présenterai tout à l'heure là, dès qu'on arrivera sur la planète... propice là à la vie, là vous allez voir, il y en a une super belle et on va faire quelque chose de vraiment énorme là. Voilà, donc je récupère ça, ça y est, c'est presque fini. Il y a juste la petite dernière ligne droite à accomplir et regardez bien, vous allez voir les millions que ça rapporte. Vous êtes sérieux là?
Il y a des trucs que je récupère pas forcément, parce que même après, je le ferai hors vidéo, vous voyez. Il y a des trucs, j'ai pas envie de vous emmerder avec ça, parce que c'est vrai que c'est long, si je dois faire toutes les cultures, on a pour peut-être une petite demi-heure, grosso modo. Mais comme ça, ça va. Économiquement, c'est extrêmement viable. Après, il y a plein de tutoriels que je vais vous présenter dans la semaine. Vous allez franchement voir tout ce qui va tomber. Comme ça, ceux qui débutent sur le jeu, bah, vous allez être bien sûr servis, vous allez kiffer. Donc voilà, je continue un petit peu. Par contre, j'aurais dû faire ça. Ce qui est con, par contre, c'est que t'as pas un bac qui prend tout d'un coup, en fait. Ça, ça aurait été trop bien, en fait, de pouvoir prendre tout d'un coup et de se faire vraiment plaisir. Voilà, parfait. Donc là, je suis bien. Au niveau orbe, regardez bien tout ce que j'ai pris. Attendez, je vais juste réparer cette arme. Je sais pas pourquoi elle est déchargée. Donc, je vais prendre du carbone. Regardez bien tout ce que j'ai en orbe maintenant. Donc c'est pas là. C'est dans cargaison. J'en ai beaucoup. Regardez, ça vaut 400 000 points à chaque fois. Donc il y a de quoi devenir vraiment riche, hein. Je vous dis, hein, j'ai vraiment rodé l'économie, hein. Donc pareil, là je vais prendre ça. Comme ça, ça va rapporter également de l'argent. En fait, c'est les deux seules choses que je récupère systématiquement. Parce que économiquement, c'est extrêmement rentable en fait. C'est les deux trucs. Après, il y a des choses que je laisse, on va dire, tranquille pour le moment. Je ne fais pas, on va dire, de lubrifiant. Je fais pas, par exemple, des produits acides qui se vendent beaucoup, beaucoup plus. Mais je m'amuse pas encore à faire ça, sincèrement. Je m'amuse juste, en fait, à récupérer les cultures basiques pour pouvoir, justement, les revendre le plus rapidement possible et de m'occuper, après, de mes affaires un peu partout dans l'univers. Donc, comme j'ai expliqué, j'ai parcouru beaucoup de systèmes solaires. Il y en a même que j'ai parcouru au centre de l'univers. J'ai pas trouvé que les planètes étaient belles. Donc s'installer forcément dans un endroit qui est moche, j'avais pas forcément envie. Hein. Donc j'ai préféré, on va dire, prendre un endroit bien mignon, que vous allez découvrir après. Et voilà, la dernière plante que je prends, c'est celle-là. Vous voyez, ça commence légèrement un peu à laguer. C'est pas le live, c'est qu'il y a énormément de choses pour le serveur. Voilà, les deux dernières plantes, et c'est fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vite fait. Regardez, tout s'éteint. Donc c'est ça en fait, il y a une économie d'énergie en fait. Maintenant il y a des biens, donc on a récupéré beaucoup de fleurs. Vous allez voir combien ça se vend. Bien sûr là je vais être un peu en perte, mais ça on s'en fout. Je vais désactiver ma caméra, regardez bien. Donc les perles, il y en a pour, j'en ai récupéré que 45, donc c'est pas le truc le plus rentable. Hein. Pas loin de, ça vaut 10 000 balles je crois une seule. Donc là il y en a pour presque 460 000 euros, d'accord. Ça va, c'est plutôt correct. Les trucs de venin, j'en ai que 8, hein. Donc imaginez-vous si j'en ai plus. Là, tout à l'heure, j'en avais 40. Donc ça, c'est très rentable. Et après, vous allez voir dans 2 minutes, les orbes là, le truc blanc là que je vous avais parlé. Vous êtes prêts à rigoler? J'en ai 121, ça rapporte 4 500 000. Voilà, de quoi se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon ici, sur le côté. 180 millions, ça reste vraiment très très bien en fait. 180 millions, c'est super cool, c'est super bien en fait, vous avez vu? Donc je vais tout simplement monter là-haut. J'adore en fait Twitch. Je peux même voir qu'il y a deux personnes qui ont eu follow. Qui me suivent plus du tout maintenant dans le live. Ah putain. Comme quoi il faut proposer de la merde aujourd'hui. Regardez bien. Donc là on va tout simplement démarrer un peu le compte rendu des missions. Ça, ça rapporte énormément aussi d'argent. Bon, après ça dépend des missions. Donc ça, ça se vend pas loin de 400-500 000 euros. Donc voilà, parfait. Donc ça aussi, ça se vend super bien. Et c'est surtout l'argent qu'on récolte. 1 300 000, c'est correct, c'est bien. Donc ma flotte de guerre, elle est assez conséquente. J'ai fait franchement une énorme flotte qui est bien avancée. J'ai de la chance que j'ai pas forcément besoin de courir pour les réparer. Donc le cadmium activé, ça va nous servir pour plus tard. Combien d'argent nous avons là? 864 000, et là, il y a 4 vaisseaux, plutôt 5 vaisseaux. Je pense que ça va être une grosse mission qui va apporter vraiment rien du tout. Putain, ça ne va rien apporter. Augmentation de stockage. Module de frigade récupéré. Donc l'augmentation de stockage, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à améliorer votre navire, c'est-à-dire votre vaisseau. C'est-à-dire mon vaisseau actuel en fait, hein. Je pourrais l'augmenter encore plus. Donc je vais vous montrer comment c'est super intéressant finalement de faire ça. Donc là j'ai récupéré ça. En fait les missions elles étaient pas ouf pour être sincère. Là c'était pas les plus lucratifs. Donc dans le cargo nous avons obtenu tout ça. Donc MRA activé, donc c'est une ressource qui se trouve sur les systèmes verts. Indium, ça se trouve sur les systèmes bleus, les étoiles bleues. Et tout ça, je vais devoir le mettre dans ma combinaison, vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc là, pareil dans l'inventaire du vaisseau. Je vais prendre le dernier rapport.
Par contre, ça n'a pas rapporté. C'est pas des missions, en fait, des missions qui font plus de 20 heures rapportent tellement de pognon que ceux-là, en fait, c'est des missions de 8 heures, donc c'est vraiment pourri. Donc là, ça a juste rapporté 2 millions presque. Donc c'est pas les plus ouf, en fait, comme vous avez pu voir. Est-ce que dans le cargo, ils ont mis des trucs? Ouais, que dalle, en fait. Donc en termes d'argent, je suis actuellement à 185 millions. Voilà. Et j'ai un deuxième vaisseau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en version S, c'est-à-dire en version beaucoup plus puissante. Donc maintenant, je vais juste envoyer mes flottes faire les missions dans l'univers. Et après, on va tout simplement s'en aller pour faire des trucs bien sur la planète. Vous voyez, ça nous aura pris grosso modo peut-être 10 minutes, quoi. Ok, donc 27 heures. Donc ça, c'est une mission qui va rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. 27 heures, c'est franchement les missions qui rapportent le plus. Donc avec ça, on est vraiment bien parti. Donc je dois bien sûr sélectionner les navires les plus appropriés. Par exemple, là, 26 pour le commerce. 22. Il y a quoi d'autre? 12. C'est con parce que des fois, il ne me met pas forcément les meilleurs tout de suite. 23. Et 21. Voilà. Donc je pense que là, on a tous les étoiles. Donc on est à fond de chez à fond. Ah ouais, ça consomme 900 carburants. Putain! 900 tonnes. C'est énorme. Donc, voyage de découverte. Là, ça va être vraiment le truc découvert. Donc, on va prendre un truc de découverte basique. Ça fait 30. 31. 31, 31, par exemple. Quoi d'autre encore? Je regarde un petit peu tous les navires que j'ai. Ben voilà, ça, c'est de l'exploration. 28. J'en vois peut-être beaucoup, mais je suis sûr au moins que les navires, j'ai pas besoin de les réparer. Parce que c'est casse-couille de les réparer. Donc, voyage de découverte, encore une fois. Là, celui-là, il va être pété, hein. C'est du 9h, donc ça va aller vite. Par exemple, je vais prendre quoi? 22. 20. Et un dernier, et c'est tout. Je vais prendre un classe C, 25. Donc là, j'ai 3 étoiles, il en faut 2. Peut-être je vais en mettre encore un pour être sûr que bah, tout va bien se passer. Donc, exploration, si vous en voyez un intéressant, lui par exemple. Voilà, on a toutes les barres à fond, vu la classe SSS, franchement, on est bien. Allez, 250 en carburant. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, ça va être de faire des expéditions équilibrées. Et vous allez voir, dans 26 heures, ça va être des missions qui vont apporter tellement de pognon. Donc là, il faut combat, industrie. Et ça. Je pense que là, on est bien. 4 étoiles, c'est bon. Et tout le reste, je l'envoie bah, ici maintenant. La dernière. Il me reste combien de navires? Bah voilà, le nombre pile poil pour tout envoyer. Parce qu'en fait, quand vous envoyez, il faut savoir un truc, que tout ça expire en fait. Voilà, 4 étoiles, parfait. J'ai super bien géré mon truc. Maintenant, en termes d'essence, j'ai quand même fait chuter énormément d'essence, donc c'est pas grave, je refais. Hein. Donc pour refaire du carburant, c'est très simple. Il faudra du dioxygène, du machin hydrogène là, pardon, et du titanium. Donc ça, j'en ai plein. Parce que j'en fais beaucoup en réserve en fait, hors vidéo. Comme ça, je sais qu'à chaque expédition, je suis pas à sec. Voilà. Donc pour les expéditions, tout est bon. On a récupéré beaucoup de pognon et maintenant, on va aller enfin dans la base. Vous voyez, je vous ai pas pris beaucoup de temps, personnel, hein. Et là, on va descendre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, est-ce que j'ai toutes les ressources pour faire la base? Largement. J'ai de la poussière de ferrite, j'ai des plaques, j'ai de l'argent, j'ai de l'oxygène, j'ai du verre surtout. J'ai quoi à côté? Ah oui, les modules, faudra qu'on fasse vite fait un petit tour juste dans une station spatiale pour voir un truc. Heureusement que je viens d'y penser. Donc une autre planète qu'on va tout simplement se baser, ce sera celle-là. Regardez bien ce qui a marqué, vous avez découvert celle-ci, c'est une planète tropicale. Par contre, les sentinelles sont agressifs. Bon, ça me fait pas peur. Juste un petit détour, de rien du tout. Ça va être d'aller vite fait dans la station spatiale là. Je vais vous montrer un truc, vous allez tous sauter en l'air, vous allez me dire, ah oui, putain, c'est vachement rentable en fait de faire des missions de cargo. C'est les missions où t'envoies justement tes équipages. C'est beaucoup plus cool de faire ça parce que tu récoltes des meilleures améliorations. Vous allez voir. Donc là, on va arriver là-dessus. Je vais tout simplement vous montrer combien ça coûte d'acheter un emplacement supplémentaire dans le vaisseau. Je sais que j'ai beaucoup d'argent, mais je le ferai pas. D'acheter des améliorations à des prix aussi exorbitants, j'appelle ça. Donc, je vais faire un tour ici. Donc c'est toujours le côté droit quand vous arrivez en fait, hein, le côté marchand ou tout ça. Le côté où vous avez la possibilité d'améliorer votre jetpack et tout. Donc le jetpack, j'ai oublié de vous dire, il est à fond.
Je l'ai à 100% maintenant. Tout est à fond, tous les emplacements sont à fond de chez à fond. Donc là-dessus, je suis hyper bien. Alors, le vaisseau. Regardez bien comment c'est traître. Quand vous avez le vaisseau. Par exemple, si je voudrais tout simplement récupérer mon vaisseau actuel, il vaut 80 millions. Donc mon vaisseau dans ce système solaire-là, il vaut 80 millions. Donc il y a des systèmes solaires, ils coûtent plus cher, moins cher. C'est vraiment con en fait. J'ai pas compris. Donc dans ce système solaire, il vaut 80 millions. Dans un autre, je suis tombé sur le cul, il valait que 35 millions. Donc à vous de vadrouiller dans des systèmes solaires sur le jeu pour être bien. Maintenant, il y a des biens, combien ça me coûte d'ajouter en fait une case de plus, c'est-à-dire un emplacement de stockage. Ça me coûte 80 millions. C'est une blague. Bah, grâce en fait aux expéditions, vous allez gagner des petits modules de stockage et vous pouvez tout simplement l'augmenter gratuitement. Voilà. La taille de votre vaisseau a augmenté. Et maintenant, vous allez voir, il vaut encore plus cher. Je vais vous montrer maintenant le prix du vaisseau. Vous allez me dire, putain, il vaut hyper cher ton vaisseau. D'accord. Va comprendre. Maintenant, il a chuté. C'est la bourse en fait, la vie de ma mère. Hein. Il valait tout à l'heure 80 millions, maintenant il faut 36 500. C'est une blague. Il vient de chuter. En termes de prix, faut pas vous faire couiller quoi. Wouah, la chute. C'est de la bourse. Je te jure, c'est de la bourse ce jeu. J'ai rien compris. En fait, j'ai l'impression que quand t'ajoutes un stockage, il y a un bug qui te fait perdre toute la valeur de ton vaisseau. Oh. Là, par contre, j'ai rien compris. Et une chute aussi vertigineuse, j'ai l'impression qu'on se croit sur le Bitcoin là. Tu montes, tu descends d'un coup. Waouh! Bon, allons-y sur la planète. Et maintenant, vous allez voir la planète. Sincèrement, c'est la plus belle que je trouve. Ah, il y a déjà des squatters ici finalement. C'est qui lui? Ah, joli monde, ça c'était moi. Avant-poste, ça c'est pas moi. Et moi, ma base, si je dis pas de bêtises, elle doit être vers là-bas. Avant-poste, non, c'est pas moi ça qui a marqué ça. Ça, c'est le cargo de qui ça? Joli monde. Non, je suis là en fait. Je l'ai pas renommé en fait. Donc s'il y a mon cargo en face, c'est que c'est là. Parce que j'ai pas encore le temps de la finaliser en fait. Parce qu'au début, j'avais appelé en fait un monde, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi bien sûr la série, je l'ai appelé en fait voiture orbe. Et en fait, c'était ici. Donc pour moi, sincèrement, toutes les planètes du système solaire que j'ai explorées, c'était l'une des plus belles cartes. Pour deux raisons. Les paysages sont vraiment magnifiques. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Les paysages sont super beaux, ils sont très très mignons. Et la planète en fait, elle offre de l'eau bleue, turquoise, entre parenthèses. Vu qu'on va faire quand même une base aquatique aujourd'hui, tout ça. Donc ça va être hyper cool de pouvoir faire des beaux trucs. Et voilà, la planète orbe voiture, donc ça je les prendrai pas. Par contre, on va avoir beaucoup de conflits, faut le savoir. Voilà, c'est ce que je viens de dire, je viens à peine d'arriver que j'ai déjà des conflits. Que les sentinelles ici sont extrêmement agressifs. Je vais juste me recharger la vie. Et du coup, on va commencer à faire notre première petite base. Sympatoche. Voilà. Donc je me suis installé là. J'avais démoli l'autre. Hein. Donc ça va être le début. Maintenant, vous allez voir, on va faire quelque chose de bien mignon. J'ai beaucoup de dômes que je me suis acheté. En fait, j'ai vadrouillé pendant des heures de mon côté. Pour éviter de vous faire chier, en fait, avec un truc qu'on appelle les modules. Les modules technologiques ont fui, je les ai récupérés de mon côté, donc j'ai perdu peut-être 3 heures à le faire, pour en récupérer peut-être, je sais pas moi, 150, non 200. 200, et du coup ça m'a permis d'acheter ça, d'acheter des ports, d'acheter des meilleurs équipements, d'acheter des tours en verre, d'acheter des escaliers, pour que la base soit encore plus belle en fait. Et pareil pour d'autres textures, j'ai toutes les textures aquatiques, pour enfin faire une base bah, en dessous. Comme ça, ce qui va être cool, c'est qu'on a vraiment tout pour faire une belle base. Et pareil pour les dômes, pareil pour d'autres trucs, je me suis vraiment complètement lâché hein, pour être franc. J'ai finalisé aussi des trucs ici, donc là on va s'amuser, regardez bien le nombre de trucs que je peux créer 1070 escaliers. J'ai vraiment de quoi construire sans aller récupérer une seule fois les ressources. Donc on va faire quelque chose de beau, mignon, sympa. Faut pas que ça soit trop long non plus, ça va être trop moche sinon. On va faire quelque chose de, je sais pas, d'original on va dire. Par contre, j'ai appris un truc que je ne savais pas, c'est que sur No Man's Sky, il y a un truc de bâtard. C'est que si un joueur qui va vous casser la tête, il peut péter ce que vous êtes en train de construire. Je sais pas si j'étais pas en passif, si je suis pas passé après en mode... comment on appelle ça? En mode agressif, je sais pas. J'ai rien compris ce qui m'arrivait la dernière fois. Je tombais sur un mec qui avait décidé de me casser la tête. Du coup, on va peut-être faire un truc comme ça, peut-être une porte ici. Donc ça, c'est une porte de garage, hein. Qui est tout simplement ici, mais on peut la mettre par exemple, vous allez voir,
Je vais prendre mon temps parce que j'ai envie de faire quelque chose de beau gosse. Quelque chose de beau en fait. Attends, je crois qu'il y a une sentinelle qui me scannait. Merci beaucoup pour ton follow. Salut Lucas. J'espère que c'est pas le Lucas que je connais. Hein. Donc voilà, ici on va tourner la porte pour qu'elle s'ouvre du sas intérieur. Voilà, et après bien sûr on mettra l'énergie, tout ça, vous allez adorer. C'est super cool en fait. Donc franchement en termes de jeu on est extrêmement bien. Hein. Franchement on a tout, on a les modules technologiques à fond. J'ai plein de ferrites pures. Je peux vraiment maintenant me lâcher complètement dans mes créations. Donc c'est ça que je kiffe. C'est tout ce qu'on a en fait en place, mis, qui est extrêmement fun en fait. Je vais vite fait mettre ça. Là, j'ai l'outil, donc le cuivre. Je vais peut-être le mettre dans mon inventaire. Le cargo, non, franchement, on a tous les véhicules. Donc après, je vais faire des petits sas, des petits trucs sympas. Donc, prenons notre temps pour faire des beaux trucs. Donc j'ai mis la couleur un peu noire et blanche comme ça. Je trouve ça a beaucoup plus de gueule. Voilà. Vous en pensez quoi? Donc mon but c'est pas de faire du Fortnite là, mais c'est vraiment de faire un truc qui ressemble à une vraie base quoi, bien solide, bien costaud avec des vrais piliers. Voilà. Après il faut savoir qu'il faudra que je fasse beaucoup des trucs sous terre parce que ça va être hyper chiant. Voilà, parce que regardez bien ce qui m'arrive déjà. Vous avez peut-être pas fait gaffe, mais j'ai déjà une sentinelle qui vient de nous emmerder en fait. Pas mon style de jeu mais ça a l'air cool. Ouais, faut aimer en fait, Guillaume. Faut aimer, mais c'est très intéressant, sincèrement. Attends, parce que je viens de faire une couille. En fait, il y a un truc qui va être hyper chiant pendant qu'on va construire. Ça va être tout simplement les sentinelles en fait. Elles vont nous emmerder, mais comme pas possible, elles sont hyper agressives sur cette planète. C'est le seul point noir en fait qu'il y a, c'est l'agressivité des sentinelles. Les sentinelles, c'est les petits trucs là, les petites bestioles. Donc, est-ce que je mets pas un petit pilier pour pas que ça passe? Un petit verre ici, au pire. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'on est tranquille. Je regarde un truc. Hein. Un petit truc ici. Donc, c'est vrai que donc là, je vais juste rester comme ça. D'une façon classique. Et après, on aura la possibilité, c'est dès qu'on va mettre l'essence. L'essence. Dès qu'on va mettre plus tard le... Les étages, vous allez voir. Je la fais très très grande la base. Hein. Je vais faire quand même des petits trucs, des petits dômes et tout. Donc attention, je vais mettre peut-être des vitres cette fois-ci. Voilà, donc étape du voyage atteinte. Donc à mon avis, on a déjà tout à fond. Il vient de poser beaucoup de sol, donc attention. Hein. Il nous manque encore hein, pour avoir tous les trophées soi-disant à fond. Je vais faire une petite colonne comme ça. Un petit vis-à-vis, vous voyez? Rien du tout. Ça, je pourrais tout simplement voir un petit peu bah, comment ça se passe. Est-ce que déjà là, avec ma tête, ça passe? Ouais, ça passe largement. Donc on mettra une porte, là on mettra par exemple un truc pour bien voir les choses. Non, franchement. Je mettrai des petits dômes. Donc là, je fais que de la construction aujourd'hui. C'est-à-dire, on va faire, on va pas s'emmerder à faire des ressources ou quoi que ce soit. Et l'avantage en fait c'est que tout le monde, ceux qui vont par exemple être dans ce système solaire là, ils pourront tout simplement venir voir ce que je fais. C'est bien, on n'a pas demandé à Call of de venir se joindre dans notre partie là. Voilà, grosso merdo, on va faire un truc comme ça, petit pour l'instant et après ça va s'agrandir. Donc est-ce qu'il me reste encore des vitres? Ouais, il m'en reste encore, ça c'est quoi au milieu? Par contre, ouais, ce que j'aime pas trop, c'est la façon que des fois que tu poses les choses. Si tu vas un peu trop vite, l'ordinateur, il te fait vraiment de la merde. Donc là, je vais juste commencer à mettre des toits. Parce qu'en fait, si vous mettez pas de toits, ce qui est bien dans cette planète, c'est qu'il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de tempête solaire, il n'y a pas de tempête ou des intempéries. Vous avez toujours, en fait, un climat qui est plutôt bien. Ouais, la play, il veut jouer dans la play, il faisait la mise à jour de Call of. T'es fou. Call of, je vous ferai plus tard des saisons quand il y aura le pass 3 en fait.
ça va être beaucoup plus cool. Donc voilà, pour l'instant, on fait une petite truc comme ça, vous allez voir. Après, ça va encore monter, graduellement. Même, je vais faire un truc très con. Donc voilà, à partir de là, je vais refoutre un autre escalier. Ah, bien sûr, on peut pas, faut faire ça. Et après, on va se faire une petite hauteur. Donc, comment je vais gérer ça? Ça va être très simple. On va mettre une porte. Il faut savoir ouais, qu'il faut mettre quand même une porte, sinon vous êtes dans la merde. Ouais, quoi que. Parce que les sentinelles peuvent rentrer, en fait. C'est ça que j'aime pas. Donc, une porte de garage, encore une fois. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Donc, je veux devoir vitrer tout ça, encore une fois. C'est vrai que ça fait un peu pourri de vitrer, mais on n'a pas le choix. Pour protéger justement contre les sentinelles, parce que dès qu'ils vont arriver, ils vont être hyper agressifs, ces bestioles. Rien ne m'empêche de mettre des trucs en hauteur, vous allez voir. Hein. Je vais commencer à meubler, je vais faire des petits trucs mignons. Ok. Donc ça, on va le mettre là. Ça, le problème, c'est que vous allez heurter, en fait. Vous allez vous faire heurter contre un mur. Donc, je sais comment on va faire. Bah, comme ça, encore une fois. Ce truc-là, tant pis. Il n'y a pas de véhicule en fait qui rentre à l'intérieur, donc après je ferai des minotaures, des petits trucs à côté. Là je suis déjà dans la merde, faudrait que je refasse vite fait de la vitre. Est-ce que j'ai tous les ressources putain ou est-ce qu'il faut que je retourne dans l'espace pour aller vite fait faire des vitres? On va voir ça. Donc pour faire des vitres c'est très simple, faut aller installer en fait une machine. Que je suis sûr qu'on a quasiment plus. Général, la grosse machine qui nous permettra de le faire, je l'ai, mais attention. Temporairement, je la mets là. En fait, ça m'évite d'utiliser du combustible, en fait. Donc, il me faudra du silicium. Waouh, c'est où ce truc-là? Et bien évidemment, poudre de silice, pardon. Je peux faire que 13 verres avec, c'est pas énorme, hein. Ça peut ressembler vraiment à une petite texture plutôt basique. Mais petit à petit, elle va être de plus en plus imposante. Vous allez voir, on va mettre des véhicules devant. Donc là, ça va être vraiment l'entrée. Où j'ai la petite base là, qui permet tout simplement de faire le truc. Je vais mettre après des petits trucs de survie pour les gens. Ça, j'ai plus comme par hasard le phosphore. Là, je vais mettre un sas de survie basique. Moi, je l'utilise pas, ça. Mais ça, c'est vrai qu'il faudrait que je l'alimente. Le terminal, ça faudrait que je le crée. Le téléporteur, je le ferai dans pas longtemps. La plateforme pour pouvoir mettre les véhicules. Vous allez voir, on va faire des trucs de ouf. Parce que j'ai beaucoup de technologie, justement. Là, je vais juste mettre un truc très simple. C'est un signal de sauvetage. Je sais que ça sert beaucoup, donc je vais bien sûr bien l'aligner. J'ai envie de faire quand même un truc propre. Balise de sauvetage. Voilà, ça permet en fait de sauvegarder. Il y a quoi d'autre? Signal de machin. Ah, il va me manquer ça. Ok, bougez pas. Je croyais que je l'avais fait, mais je l'avais pas fait. J'ai tout pour faire la ressource, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de farm aujourd'hui. Donc ça, je le mets là. Donc signal de détresse que tu peux mettre, par exemple, pour des avant-postes ou n'importe quoi, pour trouver des choses. Lancer, par exemple, les capsules proches. Donc là, vous allez obtenir des trucs. Balayage de la planète. Et ça vous montre. Où est-ce qu'il y a par exemple un truc à aller récupérer quelque part dans cette planète? Voilà, donc ça se trouve là-bas. Donc vous pouvez scanner presque à l'infini hein, les bâtiments. Donc là, si je vais aller dans le bâtiment, on a pour 6 heures. Est-ce que je peux encore rebalayer encore d'un autre signal? Vous faites que ça en fait, vous balayez sans arrêt. Ah là, je peux plus. Je peux plus tant qu'à mon avis, j'ai pas visité le truc. Rien à trouver pour le moment. Ok, donc ça on l'a mis. J'aurai des extracteurs après à mettre. Truc de construction. Ça, ça sert un peu à rien, c'est que le début. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui vient dans la partie. Attends, encore une fois ce truc-là. Et ce truc-là, il l'adore. Hein. Donc ça, c'est de la merde en fait. Ça, c'est un truc que vous avez en fait en tant que débutant. Le truc de construction, vous avez que ça en fait. C'est tout pété. Regardez bien. Les technologies, on les a déjà débloquées. C'est juste le minimum en fait. Et après, vous avez des trucs en bois, abris en métal. Et c'est tout. Ouais, le béton, et après c'est fini. Le mieux, en fait, c'est avec l'anomalie que vous allez obtenir. Donc là, en fait, je me dis que c'est correct. Quelqu'un qui vient, il a les 4 possibilités de faire ça.
Donc c'est propre, bon, ce truc-là, il est juste pas droit, mais ça, il n'y a pas le choix. Et après, vous allez voir. Donc logiquement, il a fini mes vitres. Voilà, j'ai mes 13 vitres que je vais poser là, et je continue à fermer tout le reste. Et après, on va faire vraiment une petite embarcation dehors, on va commencer à mettre des l'électricité. J'ai même repéré un truc, en fait, c'est qu'on pourra mettre notre plantation pour qu'elle puisse être très rentable, en fait. Moi, dans mon cargo, il faut savoir que ma plantation, je dois la faire manuellement, comme vous avez pu voir tout à l'heure au début du gameplay. Là, j'ai repéré en fait un dôme qui me permet de récolter ça tout seul en fait. J'étais sur le cul. Donc, je termine avec le toit et c'est bon. Donc ici, on va considérer que c'est bon. Et ça fait des petits sas de classique. Donc là, il faudra que je trouve quoi mettre, qu'est-ce qu'on pourra faire, peut-être un petit truc de rien du tout. Et maintenant, le plus intéressant, ça va être maintenant ici. Donc on va faire un petit sas. Un petit sas ici. Et bien sûr, tu remets un petit escalier. Sauf que l'escalier, on va le mettre encore une fois devant. Parce qu'on pourrait le mettre même derrière en fait, vous voyez. Mais derrière, ça va être un peu chiant parce qu'on aura tout le temps des sentinelles qui vont nous emmerder. On va le faire monter un peu plus haut. Voilà. Donc ça commence à être propre. Regardez bien. Après, on va mettre de l'éclairage, tout ça. Hein. Pour le moment, c'est peut-être pas ouf. Mais progressivement, ça commence à prendre... Ah, voilà, c'est ce que j'ai capté. Qu'il y avait une petite couille en l'air. Voilà. Donc c'est propre, là, c'est bon. C'est bien aligné. On continue. Donc là, c'est une base en métal que je fais, en fait, pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Qu'on peut faire des bases en bois, en béton et tout le reste. Donc là, je vais commencer à me baser sur de l'esthétique. Donc je pense que je vais encore monter peut-être de 2 étages. Et là, c'est parti. Ah putain, de merde. Et merde, j'ai même pas fait gaffe que j'allais me flinguer là comme jamais. Donc la carte va être belle en fait, vous allez voir au bout d'un moment on va faire une petite tour d'observation, un petit truc mignon. Donc là c'est parfait. Donc 1, 2, donc c'est bon, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2 et 3 et pourquoi pas peut-être faire un quatrième ici. Pôle de... observation, vous allez comprendre. Là, ça va être purement esthétique. Voilà, parce que là, je vais tester d'autres constructions que je n'ai pas l'habitude de mettre. Donc, c'est pas les aquatiques, ça, c'est les spécialistes fondation. Ça, par contre, j'aime pas trop, ça fait bizarre, en fait. C'est des dalles, mais complètement ouf. Ça, c'est plus pour faire, par exemple, un sol, etc. Vous allez voir, on va s'amuser. Donc, structure. Là, ça va être de plus en plus beau, mais ça va être très technique à faire. Putain, comment tu fais déjà ce truc? Ah oui, c'est vrai, il faut mettre les portes là-dedans. C'est vraiment de la merdasse. Putain, comment j'avais fait les portes? Attendez, parce que des fois, faut se creuser pas la tête, mais... pour faire un beau truc, faut prendre son temps. C'est quoi que j'avais réussi la dernière fois à faire? Donc, celui-là se pose pas n'importe où. En plus, il faudra mettre de l'électricité, donc on n'aura pas le choix de faire un truc hyper grand. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. T'as l'air relou. Ça prend bien plus de place que prévu, cette merde. Donc en gros, il faut que je fasse ça. 1, 2, 4. On va tester à partir de 4. Et vous allez voir que là, ça va marcher d'un coup. Voilà, là, ça marche direct. Mais je vais prendre plutôt le biome. Ça, c'est un biome qui va vous permettre de récolter des choses. Donc, pour l'instant, je pense pas le mettre là. Mais je vais mettre d'abord ça. Putain, tu vois rien avec cette merde. Je vois rien du tout. Il y a une technique, en fait. Tu fais ça et tu peux voir, en fait, comment t'installes les choses. Voilà. On voit clairement que là, il veut pas. Est-ce que c'est bien aligné ou pas? Oh, putain. C'était presque la chute. Ok, donc maintenant, il faudra mettre une porte de cloison. Bien sûr, elle ne va pas être ouverte parce qu'il faudra mettre de l'électricité. Et à partir de là, vous pouvez vous faire un petit sas bien mignon, etc. Vous allez voir.
à partir de combien? 1, 2, 3. Il est posé sur le troisième. Oh putain, ça va être chiant. En fait, pour faire un peu des trucs esthétiques, faut se creuser un peu plus la tête que prévu. Déjà, est-ce que ça vous plaît ou pas? Donc, je crois que c'est à partir de... Ouais, là, c'est bon. Donc, je recule un peu comme tout à l'heure. Merde. C'est où, ça? C'est dur de trouver, putain, dans No Man's Sky, les trucs. Donc, je vais faire ça, comme tout à l'heure. Est-ce que je l'ai bien mis? Pas du tout. C'est pas grave, ça se change. Donc là, il est bien posé. On dirait que ça me rappelle un peu Subnautica. Ça vous rappelle pas Subnautica, vous? Donc, ouais, c'est bien aligné pour l'instant. Et maintenant, vous avez cette possibilité de faire un truc qui a de la gueule, je trouve, personnellement. C'est de faire un petit module, regardez bien. Donc là, vous êtes au milieu, vous pouvez par exemple vous faire un petit centre. Comme celui-là. Je regarde, hein, ce qu'on a. Donc ça, j'ai fait ça vitré. Et après, devant, vous allez voir. Hein. Je vais rentrer à l'intérieur, vous allez mieux comprendre. Donc ça, c'est clair. Hein. Ici, par exemple, si on a envie de s'amuser, on peut se faire un pôle observation. Par contre, c'est hyper chiant à mettre. Voilà. Là, par exemple, vous avez la possibilité de vous faire un petit dôme, en fait, pour regarder. Soit ici, ou soit de l'autre côté. Et même en bas. Non, franchement, c'est propre, en fait, hein, leur truc. Hein. Comment ils peuvent faire ça? Maintenant, il faudra alimenter tout ce bordel. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà, là, je l'ai fait vraiment d'une façon très classique. Hein. Par contre, ce qui est bien sur No Man's Sky, c'est que tout ça, ça peut tenir directement au niveau du... Il n'y a pas besoin forcément de mettre des fondations comme j'ai fait. S'amuser un peu. Ça va me demander une force, mais de bâtard en termes d'énergie. Eh merde, 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 plus de jackpack. Boum! Il s'est fait défoncer. Donc faudra juste que je me méfie au niveau des sentinelles. Et surtout les câblages, vous allez pleurer de rire. Donc en fait ici je pense que je vais faire la salle d'énergie. Donc la salle d'énergie ça veut dire qu'on va mettre l'électricité ici. Ou un petit truc tranquille, on va voir. Ça c'est pour faire après des croquettes pour dehors. Là il y a des trucs de forage, il y a des trucs de... Il y a vraiment des bons trucs. Hein. Ça sera obligé que ça soit posé de l'autre côté. Je sais comment je vais faire ça. Faire quand même de l'esthétique un peu. Ça va changer d'autres constructions. Donc les panneaux solaires. Structure, décoration, technologie, spécialité, énergie. Panneaux solaires, on va en faire deux beaux. Un ici. Un autre vert là. Comme ça va être beaucoup plus propre. Voilà, donc là j'ai deux panneaux. Vous allez me dire, mais à quoi ça va servir? Ça va être très simple. Je vais faire juste une petite batterie. Donc les batteries, je pourrais en faire que 8. Donc la batterie, je sais pas où je peux la planquer. Je vais voir. Hein. Je suis un peu con. Je sais comment j'aurais pu faire. Donc la batterie, plutôt, je vais la mettre en milieu. En gros, ici. C'est ça qui va alimenter nos couloirs. Donc en fait, je vais faire quand même des générateurs complètement différents. Voilà. Je trouve que ça fera pas moche de le laisser comme ça. Après, vous pouvez changer la couleur si vous avez envie. Hein, qu'il soit complètement différent. Par exemple, si vous avez envie qu'il soit rouge, ça va donner ça. Ça fera propre. Donc les panneaux solaires. Donc, je veux qu'ils soient d'une couleur, par exemple, jaune. Ou rouge. On va en mettre un comme ça. Tout droit. Ça en fait vraiment on fait un peu tout. Regarde si t'as pas une quoi?
Regarde si t'as pas une souci mécanique proche. Avec de la chance. Une quoi? Une sorcie mécanique, c'est quoi ça? Tu veux dire quoi par là? Donc là, je vais mettre le câble qui va être relié directement à la batterie. Logiquement, j'ai un truc qui peut se cacher, je sais pas quoi. Camouflage électrique. Ça, j'ai pas capté c'est quoi cette merde. Donc ça se cache, soi-disant. Donc là, je vais faire ça. Source. Ah non, ça, j'ai pas. Magnétique. Ça, j'avais pas trouvé la dernière fois. Merci pour ceux qui follow. Non, non, j'avais pas trouvé, c'est là. Voilà. En gros, faudra juste patienter maintenant que le jour se réveille, mais ça va donner ça. Donc après, il faut savoir que ça va être hyper cool. Maintenant, il faudra juste que je fasse un petit branchement mignon. Et là, ça va être extrêmement merdant. La source en dessous. Putain, il n'y a pas un truc pour cacher ces câbles? Attendez, je vais voir parce que ça, je n'ai jamais utilisé ce truc-là. Je n'ai jamais utilisé ces camouflages. Ouais. Ah d'accord. Ah, c'est pour le mettre en bas. Bah, bougez pas, je veux le cacher alors complètement bas. Si on peut le faire ça. Hein. Si par exemple je peux cacher ça à l'intérieur. Ça m'étonnerait que je peux le faire. Hein. Je suis pas sûr que ça va marcher ce que je viens de créer comme connerie. Mais je teste. Il y a des choses que je ne sais pas. Ah bah si, ça a bien marché. Donc voilà, le câble vient de disparaître. Parce que c'est vrai que les câbles, ça faisait moche. Mais ça fait aussi partie du jeu. Ok. Donc là, maintenant, vous allez voir qu'il faudra que j'alimente le tout avec ça. Putain, je suis con, en fait, j'aurais dû mettre ça directement à la batterie. Bougez pas, j'ai fait une grosse bêtise comme un gros débutant. J'ai mis le câble où, en fait? C'est même pas pris en compte, le câble. Donc après on va tester ta source magnétique, mais j'en ai pas trouvé, tu vas voir. En fait je prends mon temps pour faire un truc vraiment beau en fait, comme ça s'il y a des joueurs qui tombent par hasard nez à nez avec cette planète, bah ils vont dire putain c'est plutôt propre. Que de me dire ouais je vais faire un truc vite fait à l'arrache pour faire une base. Non là on fait vraiment un truc esthétique, il y aura mes engins un peu partout, ça va être vraiment une base qui va être jolie. C'est un peu le but, vous allez voir. Du coup, là, je vais passer sur autre chose. Vous allez voir dans 2 minutes. On va mettre quand même une petite plateforme d'atterrissage dans la zone. Mais avant ça, il faut savoir un truc. Il faut mettre des portes. Non, ça se trouve pas là. Ça se trouve dans structure. Il y a des portes à mettre, vous allez voir. Ah putain, c'est chiant. Juste que je trouve les fameuses portes. Voilà, elle, vous allez la mettre là. Ou vous mettez juste une porte basique. Attendez. Salut Max, la forme. Alors, donc à partir de là, regardez bien ce qu'on va faire. On va mettre vite fait un petit truc pour que les vaisseaux se posent. Donc c'est très simple, j'ai tous les matières, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et après bien sûr on pourra mettre. Donc ça va ressembler à ça pour le moment. Donc là on vient par là, là il y aura ça, là il y aura tout simplement le truc. J'ai remarqué un truc en fait, sans le savoir. C'est plus vous allez mettre des portes. Je vais vous montrer un truc que j'ai découvert vraiment bien. Putain, c'est juste que c'est chiant de jongler avec autant de choses. Après, on va piquer vers le monde aquatique. Non, c'est toujours pas là. C'est dans celle-là. Regardez bien par contre comment ça va s'élargir. Vous avez vu? Je gagne un peu en plateforme maintenant. Ça agrandit la plateforme. Et pareil de ce côté-là. Donc là, ça va être le côté qui va descendre en fait vers le bas. Voilà. Donc je laisse comme ça pour le moment. Eh bah bravo Max. Gros dormeur. Donc du coup là, ça y est, c'est alimenté. Ça ressemble à ça. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple des choses. Vous avez un petit sas qui est éclairé cette fois-ci. Et là, vous avez en fait le côté esthétique.
de votre... Là, vous êtes en sécurité dans votre base. Rien ne peut vous arriver. Vous voyez un petit peu bah, tout ce qui se passe. Donc, on aurait pu peut-être faire mieux. C'est vrai. Par exemple, faire un long couloir. Bon, rien ne nous empêche de faire un long couloir. Rien ne nous empêche de faire un putain de long couloir. On a largement tout ce qu'on a besoin. J'ai plein de vitres. Ah, plein de vitres, c'est vite dit. Attendez. Ah, c'est pas simple, hein. Voilà, comme ça, je mets plein de vitres. Salut, comment ça va, Aurélie? Bienvenue à toi. Regardez bien. Donc là, je pense que ça va être plus joli de faire comme ça. Et après, en dessous, on pourra mieux voir les choses. C'est vrai qu'il faut que je fasse juste un truc qu'on appelle le... Au pire, je vais pas me faire chier. C'est quoi? J'ai pas une perte de temps. Je vais faire un truc très con. Vous allez me détester sur le coup, mais vous allez m'adorer après. Déjà, qu'est-ce que vous en dites? Ça commence à avoir de la gueule. Et attention, c'est que le début du projet. Je vais vite fait sauvegarder la position. Et après, on mettra tout simplement tous les véhicules dehors. Voilà, ça va ressembler déjà à un petit truc comme ça. On dirait plutôt un cyborg, en fait, en gros, de loin. Ça fait un peu bizarre. Mais ça va. Et après, on va mettre notre base et tout, vous allez apprécier. Vite fait, je vais retourner un peu dans ma... En haut du ciel, en fait. Pour aller vite fait dans le cargo, chercher un truc qu'on appelle la poutre de silice, vous allez voir. Et bien sûr, après, on va faire tout ce qui est aquatique et tout ça. Propulseur, allez hop, je pique vers le ciel. C'est bon, mon cargo, je le fais spawn devant. Et là, je vais récupérer des matériaux parce que mes coffres sont vraiment blindés de beaucoup de choses et du coup, je veux pas les utiliser. Après, ce qui est con, c'est qu'on a qu'une forme de stockage général en fait. Mais c'est déjà pas mal. Par rapport au début, on était tout le temps emmerdé avec la place. Vous allez voir. Donc là, je vais faire un truc très con. Je vais acheter vite fait des trucs. Merci, c'est gentil. Toi et tes emoticons, je me tue. Donc, regardez bien, il y a des coffres un peu partout. C'est vrai que la carte, elle est un peu trop grande, là. Donc, le cargo, je l'ai poussé au maximum, en fait, en termes de murs. Tout va à fond. Regardez bien, j'ai vraiment poussé les murs à l'extrême. On peut pas faire plus. Ça va là, jusqu'au bout, là-bas. C'est extrêmement important, ce qu'on a fait, en fait. Donc, je peux pas aller plus loin. Donc, en fait, ça, c'est la limite maximum. Après, il faut savoir qu'on peut faire plusieurs étages. Donc vite fait, je vais aller fouiller dans mes coffres. Donc là, il n'y a rien. Là, ça sera pour plus tard, ça, surtout. Pour faire des nanites. Donc là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça. C'est juste pour ça que je suis venu. Parce qu'en fait, c'est plus pratique de faire ça. Ça nous demande un peu moins de temps. Donc je vais vite fait peut-être prendre des processeurs, au cas où il y a besoin, sur la planète. Du cœur du truc du cerveau de marcheur, ça, j'en ai pas besoin. Donc ça, je veux le prendre quand même. Ça va libérer un peu la place. L'oxygène, c'est bon. Je continue. En fait, c'est vraiment à l'arrache hein, quand tu regardes. Hein. Waouh. Il y en a des conneries hein, dans les coffres. Hein. Je vous dis, en senteur de farm, il y a vraiment de quoi avoir vraiment une énorme poubelle en fait. D'accord. Donc là, il y a des trucs que j'aurais pas besoin. Au début, je mettais un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est du verre vivant. Ah, il y a un truc, c'est bien que j'y pense. J'aurais besoin de ça pour faire le côté sous-marin. Parce que bien sûr, on va faire le côté sous-marin. Non, sincèrement, je me suis vraiment lâché comme un gros porc pour parler vulgairement du cerf. Voilà, j'en ai beaucoup ici. Donc c'est ça qui me permet de faire... Bah ça y est, je vais en prendre un peu, mais sans non plus trop en prendre. Comme ça, on va faire plein de miroirs, plein de vitres partout. Et c'est ça qui va être bien. Donc là, c'est bon. Ferrite pure, je vais en avoir besoin. Voilà. Là, je suis franchement tranquille. Perle noire pour faire après un autre truc. Ah, tout à l'heure, j'avais vu que j'en avais besoin de ça. 6000 de ça, et c'est bon. Franchement, je vais être sincère, on n'aura plus besoin de revenir ici. Avec tout ce qu'on a pris. Mais la base, regardez, en fait, elle est hyper longue, hein. Regardez jusqu'à où elle va. Je vous montre un peu pour que vous voyez en fait bah, qu'on a tout amélioré vraiment à fond. Là, et tout ce qui est culture, bah, j'ai pas encore totalement fini parce que ça demande tellement un moyen logistique assez important.
Bah, que ça va jusqu'au bout. Donc l'éclairage se met au fur et à mesure. Hein. Vous allez voir les rangées. Mais j'ai réussi quand même à faire crash la console. Hein. Donc je pense que moi, une console, ça résiste pas. Déjà, l'ordinateur avait du mal à suivre mes constructions. La PlayStation 5, elle va bientôt avoir la même expérience. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Et tout ça, on peut mettre plusieurs étages après. Donc le cargo est vraiment très utile en termes de construction, pour être sincère. Donc c'est pas fini, hein. C'est que le début du projet quand je vous ai raconté. Allez, je descends. Donc là, c'est tout ce qui est aéronef, tout ça. Et on y va. On retourne sur la planète. Donc comme ça, vous voyez, je suis équipé, j'ai pas besoin de m'embêter. Là, on récupère beaucoup plus de fluidité quand je m'en vais, en fait. Donc déjà, est-ce que ça vous plaît ou pas? Franchement, ça va, hein. Je dis pas ça parce que... Si tu t'installes le module de transfert de ton cargo, tu pourras accéder à ton inventaire cargo coffre. Ouais, je sais. Ah, carrément. Ah, ça, je savais pas. Je l'ai pas installé parce que j'ai pas encore tout débloqué, en fait, pour être franc avec toi. Mais c'est bien que tu m'en parles. C'est ce que je voulais en fait savoir au début. Donc c'est là qu'on habite. Hein. Donc les propulseurs ne marchent pas parce que je suis pas loin de mon cargo. Donc sincèrement je me suis installé... Ouais, non mais en fait c'est juste parce que j'ai installé, si tu veux en fait, des modules importants dans le cargo. Comme par exemple voyager dans d'autres systèmes solaires d'autres couleurs. Comme tu le sais en fait, je vais pas t'expliquer. Mais il y a des différentes planètes, des couleurs bleues, des couleurs vertes, des systèmes solaires de différentes couleurs. Moi, pour l'instant, j'ai uniquement la possibilité d'aller que dans du jaune et dans du rouge. J'ai pas encore débloqué le vert ni le bleu. Je suis un peu à mi-chemin, on va dire. Ça va. Donc là, je vais atterrir directement là où il faut. C'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez vous poser tout de suite sur votre plateforme, vous avez vu? Il se fout pas de ma gueule, j'espère, le jeu, là. Ah, le jeu vient de se foutre de ma gueule. Ah, d'accord. Ah, putain, le coup de pute qu'il vient de me faire. J'ai jamais vu ça. Je me suis posé dans mes trucs et finalement, il a pas voulu du tout entendre parler de ça. Ah, j'étais sur le cul. Voilà. Donc là, on va faire un truc très mignon. Vu qu'en fait, on va faire quand même une petite plateforme. On va pas être crevard, en fait, dans le jeu. On va s'en faire plusieurs des plateformes. Voilà, je pense que 4 ça sera parfait. 3 pardon. 3 plateformes, c'est-à-dire si j'ai des voisins, bah, ils pourront tout simplement venir et se faire plaisir. Donc déjà on va mettre les portes. Après je vais mettre tous les téléporteurs et tout ce qui s'ensuit. Alors on va commencer peut-être aussi à mettre un peu les aéronefs vers le bas. Mais je suis venu faire un truc très simple, c'est-à-dire continuer vite fait à faire des vitres. Ça on va en avoir énormément besoin. Donc voilà, poutre de machin. Je peux comment en mettre 25 hein, dans le stockage, faut le savoir. Mais je pourrais en faire tellement qu'on va être tranquille. Franchement, ça peut être vraiment beau en fait. Astuce du jour pour toi. Toi tout seul. Si tu installes que le bleu, tu accèdes à tous les autres rouges et verts et jaunes par défaut. Ah d'accord. Bon en fait tu vois moi j'ai commencé à mettre tous les autres couleurs en fait comme un con. Ah putain de merde. Parce que j'ai commencé à en mettre vraiment d'autres dans le truc. Mais en tout cas merci hein. Sympa aussi d'avoir des coups de pouce là. Après 100 heures de jeu ça fait plaisir aussi d'avoir d'autres échanges. Parce que c'est vrai que ce jeu là je l'ai appris vraiment sur le tas pour être franc avec toi. Même les nanites c'est pareil, j'ai découvert comment les avoir plus rapidement et tout le tralala. Mais ça nous a demandé beaucoup de temps. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que cette planète, je ne connais pas de changement climatique ou j'en sais rien, quoi. Donc là, je vais faire quoi? Je vais continuer vite fait ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les structures en vitre. Donc là, je pourrais en faire un peu plus. Ah, pourquoi le truc, il est activé? Bizarre. Je pense que j'aurais pas besoin d'en mettre autant. Donc on va dire que on va se baser là.
La petite dernière avec la boule. Il en faut 3 pour la dernière. Bah alors, je comprends pas, le câblage il est visible, il est pas visible. Ah non, parce que j'étais dedans. Ah oui, il est uniquement visible. Quand tu auras fini ton arme techno, les technologies enfouies. Ah, ça te donne des nanites après quand t'as tout fini, tous tes trucs. Putain. Moi les nanites, tu sais avec quoi je les faisais avec le truc visqueux là. Le truc visqueux là ou les moisissures. Le truc qui ressemble à un truc de bambou là, un truc rouillé quoi, un câble. C'est avec ça que je les faisais les nanites. Le mec il pourra se faire une belle coupole. On aurait pu même mettre ça en fait pour être franc. Ce sas, vous avez vu? Tu mets ce sas au pire, ça peut être joli hein, un sas comme ça non? En fait ça c'est un sas qui va demander en fait de ramasser les fleurs. Parce que c'est vrai que le petit ça aurait pu être mignon mais on peut faire les deux. Tu mets ce sas, par contre c'est un 50 en énergie. Vraiment gourmand le truc de crevard. Hein. Et tu termines par le petit. Voilà. C'est plutôt mignon. En fait, de loin, ça donne ça. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Donc ça commence déjà à me plaire. Les œufs de créatures raffinés pour les nanites. Très très bon. Tu es sérieux, toi? Ouais, le métal corrompu, j'ai vu aussi, ouais. Les œufs des créatures? Ah, les œufs, je sais pas les faire. Hein. Ah, ça, par contre, je veux pas faire mon malin. Les œufs, je ne sais pas du tout. Mais je savais pas que ça donnait des trucs pour les nanites. Donc maintenant on va commencer à faire un petit endroit bien mignon. De poser les aéronefs. Où est-ce qu'on va faire ça? Par contre il y a un truc que j'arrive pas à accéder. J'ai remarqué que je ne peux pas, malgré que je l'ai débloqué. C'est mettre en fait les supports comme ça là. Ça je m'en fous mais... je peux pas... Ça me demande trop de trucs. Oh c'est un serpent ça ou quoi? Après ça va être l'éclairage, ça va être mignon de mettre les drapeaux et tout. Ça bouffe hein, quand même des vitres. Hein. Alors vous en pensez quoi déjà là? Pour le truc du milieu, ça va. Hein. Je vais vous le faire visiter, vous allez mieux voir. Par contre je sais pas combien ça pompe. Ah il y a un mec qui va se poser là chez moi. Je me suis éclaté la gueule. Ah, je sais pas, il s'est pas posé chez moi le mec. Ah non, il a tracé sa route. Je me suis dit, c'est qui celui-là? Attends, je regarde un truc. Sous les modules circulaires pour les fondations. Ah ouais? Attends, sous les modules. Sous les modules circulaires? Bah non, j'arrive pas à le faire. Sous les modules circulaires pour les fondations. Moi j'arrive pas à le faire, c'est les trucs comme ça là que je voulais moi. Attends, sous les modules circulaires. Moi j'arrive pas à trouver. Je savais même pas que ça pouvait se poser. Je vais être sincère, je ne savais pas. Ah bah putain, je viens de découvrir un truc, c'est que ça se pose. La blague. La blague, ça se pose. Ah je ne savais pas que ça pouvait se poser, putain. Ah trop bien en fait, le mec en fait, je peux te faire carrément en fait un truc. Ah par contre ils m'ont pas beaucoup de choses. Mais oui, c'est pas mal. Bon ça je vais les acheter vite fait, j'en ai plus. Et là tu peux revendre vite fait toutes tes conneries que t'as un peu en surplus. Putain, ah bah tiens, ça je l'ai pas vendu. Ah je savais pas. Moi je savais que je pouvais que avoir le mien. En fait tu vas te faire un putain de pôle, t'en mets quoi? T'en mets 4. Et ça a vraiment de la gueule en fait après. Attends. Si tu as un module circulaire, tu colles dessus, mais tu... Les modules ont la dalle dessous. Ah, j'ai capté ce que tu veux dire. En fait, tu veux dire qu'au début, je prends le truc de spécialiste, je prends par exemple fondation, et après ça va apparaître derrière. Attends. Fais un petit test. En gros, je mets cette merde. Un peu au pif, hein. On va la mettre vite fait là. Et tu mets ça après. C'est de ça que tu me parles, toi. Mais moi, je pensais que c'était l'autre. Oui, ça, je sais.
Et après, tu peux en mettre combien tu veux de ça. Mais moi, en fait, moi je pensais que c'était pas les mêmes. Ouais, après, tu peux les coller comme ça à l'infini, quoi. C'est de ça que tu me parles, en fait, non? Ah putain, la plante, faut que je la défonce parce qu'elle va me péter la gueule. Ah ouais, dès qu'elle vous pète à la gueule, elle vous pète à la gueule, hein. Parce que c'est là que j'aurais bien voulu les mettre. Pour faire genre en fait que ça tient vraiment quoi, comme des vrais piliers. C'est pas grave, au pire c'est pas grave, je trouverai la solution. Putain, j'ai fait un trou maintenant dégueulasse. Donc les modules maintenant pour pouvoir être... Attends, c'est où là? Le haut il est là. On va faire maintenant en fait comme des petits trucs, vous allez voir. On va mettre peut-être des dalles différentes. Donc des dalles ici par exemple. Ah putain, ça marche comme ça, c'est de la merde en fait. Non. Sous les pièces circulaires, comme tu as mis le panneau solaire. Ah attends, comme j'ai mis le panneau solaire. Sous les pièces. Désolé, hein, ça me parle un peu pas chinois, mais pas loin. Quand j'ai mis les panneaux. Ah oui! Tu veux dire en dessous? Ouais, attends. En gros, un peu comme ça, quoi. Merde. Parce que là, en haut, on peut les mettre, mais pas le reste. Donc là, ça s'emboîte parfaitement, tu vois. Mais pas le reste. Moi, je voulais en fait juste que ça dépasse en bas, mais on peut pas. C'est pas grave. En haut, ouais, ça colle, ouais, en haut. En fait, les fondations, moi, ce que je voulais, c'était les vrais pylônes, comme tu vas dans des stations de service. Je pense pas qu'en fait, on s'est compris. Attends, les fondations. Oh, c'est pas grave, au pire. Ça, par contre, je sais pas c'est quoi cette putain de porte. Elle a l'air vraiment chelou, cette porte. C'est des portes aquatiques. Donc après, c'est de la base aquatique qui va nous prendre beaucoup de temps. Donc, attendez, je regarde. Est-ce que ça tient encore? Le couloir, tout tient. Une batterie, elle a combien là? Je sais pas si une batterie va suffire pour aller monter autant de choses. Elle est bien rechargée ou pas? Ah, quand même, hein! En fait, une batterie, c'est assez résistant, putain, en fait, finalement. Je m'attendais pas que ça soit aussi résistant. Donc, toi, tu me parles des vraies fondations. Structure, base. Là, il n'y a pas. Spécialiste, fondation. Oui, c'est de là que tu me parles. Ouais, mais la fondation, celle-là, elle sert à rien, en fait. En fait, ce que je voulais faire, c'est juste en dessous. Faire comme un... Attends, tu vas voir. Au pire, c'est pas grave, hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Ouais, c'était juste ici, en fait, faire un truc, mais qui descend. En gros, comme si t'avais un pilier. Oui, toi, tu parles comme ça, en fait. Mais après là, je m'en fous en fait, c'est juste le bas que je voulais viser. Attends, on va tester. Putain, je vais hyper haut. Merde. En gros, un truc comme ça, tu vois, qui allait descendre, mais là, on peut pas. Putain, ça, c'est vraiment un peu dommage. Le clochard que je suis. Victor, il serait mort de rire. C'est pas grave. Ah, je vais continuer vite fait devant. Hop, toi, je te prends, je te capture. Ok. Bon, maintenant, comment ça va être? Je continue, sinon on va jamais avancer. Le plus rigolo, ça va être de faire plus tard les modules. Ça va être de la merde de faire... tout ça. Ok, faisons vite fait ce que j'avais prévu de faire. C'est faire des murs vitrés partout. Ah oui, bien sûr, ça marche pas. Donc voilà, et là je vais faire un truc très con, vu que ça n'a pas l'air de vouloir faire ce qu'on a envie, vous allez voir. Là c'est bien plus...
les fondations tout à gauche quand tu la mets, les pieds ou les cubes descendent jusqu'à au sol. Ah ouais? Attends. Parce que c'est là, j'ai pas l'habitude de ces constructions. Donc là, tu me parles de fondation. Attends. Les pieds descendent tout seuls finalement quand tu les poses. Admettons, je veux la foutre là. Je vais voir une connerie. Hein. Ah putain, on peut pas la mettre où on veut cette merde. Bah là, c'est justement ça qui nous corse un peu. Ça y est, j'ai capté. Ah ouais, que dans les trucs cylindriques. Ok, je t'en remercie. Maintenant, c'est plus clair, c'est plus clair, c'est plus clair ce que tu viens de dire. Ah là, c'est beaucoup même mieux finalement. Ça a plus de gueule. Merci, hein, Mister Deifian. Putain, je savais pas que c'était aussi con en fait finalement. D'accord, donc en fait c'est comme ça, tu les poses en dessous. Pas mal en fait, peu importe ta hauteur. Donc là on va faire vite faire un truc très con. Puis on va faire pas un carré mais... Ah ça c'est de l'eau. Le carré c'est de l'eau. Tu te fous pas de ma gueule ou quoi? Ah je suis dans aquatique. Ah il m'énerve le truc. Attendez, aquatique. Ce module-là, on va le foutre peut-être le carré ici. Je regarde hein, si c'est possible ça. Une porte étanche ici. Elle va s'ouvrir. Une porte étanche de l'autre côté. La banane. La putain de banane qui vient de me mettre. Voilà, ici. Ça fera beaucoup. J'allais dire plus propre, mais même pas en fait. Bon, tu mets double porte. Putain, c'est vraiment des bâtards, hein, comment ils ont fait ça. Enfin, des fois, les constructions sont assez marrantes. Là, elle est faite? Ouais, elle est faite. Putain, en fait, non, mais elle est pas faite. Ça, c'est vraiment vicieux comme ils ont fait ça. C'est pas grave. Et du coup, je vais mettre les cylindres à côté. Je peux pas me faire chier peut-être en face. Ah, bah non, là, c'est par là que je viens. Ça va être assez technique, mais ça aura de la gueule. Il faut défaire, refaire ta piste pour qu'elle colle. Ouais, je sais. Ah, j'ai le vaisseau dessus, putain. Pas grave, je vais faire un beau truc comme ça, on va être bien. Ouais, parce que là, le problème, c'est que c'est, je l'ai un peu mal fichu, mais c'est pas grave. En même temps, je découvre, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude du tout de faire, hein, comme construction. Ça veut pas, là. Attends. Là, normalement, ça tape. Hein. Là, je pense que je l'ai réussi. Putain, ça se joue à rien, en fait. T'es parti dans un bon délire, mais ouais, ça marche, t'inquiète. C'est gentil de ta part. En fait, j'ai pas besoin de porte ici. Putain, mais en fait, j'ai des pieds trop courts ou quoi? C'est vicieux quand même, hein. En fait, des fois, faut avoir les bons réglages pour être franc. Elle se pose pas, en fait, hein. Tu l'as dans le cul, en fait, hein. Si c'est trop court, c'est trop court. Trop l'impression que ça rentre, mais même pas. C'est pas grave. Comment on va se démerder? Au pire, je fais un autre délire, vous allez voir. Ça marche pas quand tu veux.
Ah, tu peux pas le rentrer comme ça? Et là, tu piques normalement en ligne droite. Sauf que tu t'as pas du tout là où il faut. Ah, c'est vicieux. Bon, tant pis pour les arrondis, hein. Ça aurait été beau, franchement. Mais je pense que je me suis, ouais, comme il dit, foiré un peu sur ça, sur cette piste. Donc, c'est sur quoi qu'on s'est loupé? Où est-ce que je fais cet arrondi ou est-ce qu'on s'en fout? Alors, donc, au pire, on s'en fout de ce truc. On essaie tout de suite de se faire un petit truc mignon, c'est-à-dire, en gros, je vais vous montrer un. Hein. Là. Là. J'enlève ça. Voilà, un truc ici très simple. On se prend vraiment pas la tête, vous allez voir. Très simplifié. Alors, en fait, c'est pas du tout posé de la même manière, c'est une blague. D'accord, donc en fait, déjà, c'était pas du tout parallèle, je dirais. Si, pas grave. Donc là, on va faire un truc très con. C'est qui vient de se poser là-bas? Pilote posé. Fondation. Quelque chose grosso merdo comme ça. Est-ce qu'on peut déjà fermer avec les vitres? C'est ça que je veux savoir. Ah, je suis con moi d'avoir fait ça, attendez. Des simples verres. Non, ça va faire moche. Salut Olivier, comment tu vas? La forme? Donc on va tester de cette façon. En fait, il est beaucoup mieux celui-là. Mieux posé. Je pense savoir qu'est-ce qu'on peut faire, vous allez voir. Donc lui va dépasser de là, lui va peut-être... Je vais essayer peut-être de tirer. Ça, c'est des structures que je n'utilise pas principalement. Va considérer que c'est bon à partir de là, vous allez voir. C'est l'embrouille totale avec toutes ces structures. Après, tu pourras te mettre une petite porte ici, basique. Donc, une petite porte. Non, il veut pas. Il veut pas cette porte-là, il veut celui-là. Donc, en gros, je vais voir. Est-ce qu'il est... Déjà, il est même pas branché s'il est branché. Donc là, le module, en fait, il manque d'énergie. J'ai trop sucé d'énergie, du coup, il n'arrive pas à suivre. Où est-ce qu'on se casse pas la tête? On fait un truc encore plus con. Il y a un truc encore plus con à faire, hein, vous allez voir. En fait, on se prend trop la tête. Regardez bien, il y a un truc hyper simple. Tu fais ça. Tu fais ça. Je teste, hein. Voilà, et là tu finis par un cube comme ça. Voilà, 10 fois plus pratique que de se faire chier pendant des heures à tourner. Ouais, c'est pas trop celui-là. Ah, j'ai enlevé le mauvais truc. Ah, ça colle pas. Si, pas grave, c'était pas trop ça. C'était bien parti, mais c'était pas la bonne structure, le bon truc. Ah, dommage, ça se joue des fois, rien. On était obligé de passer comme ça, mais ça casse un peu l'expérience, je dirais. Je suis un peu chiant, ouais, quoique, c'est pas si dérangeant. Ça vous dérange, vous, un truc comme ça? Moi, non, pas plus que ça. Oh là 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 là
Je vais vite fait décoller, je vais enlever la structure. Il y a un petit malin qui s'était posé à 2 secondes. Il a vu la structure. Ça va, c'est pas dégueulasse. Vous en pensez quoi comme ça, vu du bas? Juste à effacer ça et ça. Et je vais gommer s'il y a des trucs à gommer. Non, là c'est propre. Ces cylindres-là, ça fait beau gosse. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y aura d'autres joueurs qui peuvent arriver, parce que j'ai vu déjà, on avait un tout à l'heure. Ah, par contre, là, il y a des... Ouais, finalement, c'était une connerie que je viens de faire, d'enlever les dalles. Parce qu'on peut tomber en dessous. Donc finalement, ouais, faut les laisser. C'est pas pour les ressources que ça bouffe que je vais pleurer, mais c'est vrai qu'il faut les laisser. Ça, c'est bon. Ok, donc ça, on va le virer. Et du coup, on va commencer à faire une zone après d'atterrissage. Ok, donc là, ça marche plutôt bien. Et à l'intérieur, bien sûr, on mettra des choses. Vous en pensez quoi? Donc, il y a un petit module, en fait, que je me suis rendu compte. Regardez bien ce qu'il y aura marqué dans 2 minutes, quand vous êtes dedans. Il y a marqué « Récolter toutes les plantes ». Donc, plus tard, on se fera une vraie zone de plantation. Ah, là, il y a de l'eau. Alors, les plantes, je sais pas si c'est ici qu'il les récolte ou à l'extérieur. Donc, ça, faudrait que je regarde. Et le petit dôme. Et après, on va faire le côté aquatique que je n'ai jamais testé. C'est ça qui va être assez fun, c'est de voir le côté qu'on pourra mettre en place. Voilà, et ici, c'est parfait. Donc, la petite zone d'atterrissage. Mettons la petite porte étanche qu'on avait vue tout à l'heure. Après, il y aura la base un peu plus haut en dessus. La base principale que je me ferai. Donc, on va se faire un petit pôle de 6 trucs. Les drapeaux, on pourra se débloquer des beaux trucs, vous allez voir. Un petit pôle milieu, ça fait moche. Hein. Je mettrai peut-être des statues ou des trucs. Donc ça, c'est des dagues, des dalles, pardon. J'achèterai des statues au pire, dans le marché à multi. J'ai de l'argent, en fait. Du coup, regardons ensemble ce qu'on pourra faire. Décoration, ça va, je manque pas d'idées. J'ai pas mal de trucs qui sont disponibles, j'ai pas mal d'armes. Donc, après on aurait même pu mettre un escalier comme ça, mais est-ce que c'est nécessaire? Je dirais pas vraiment en fait. Donc c'est parti. Là, ça va être le côté le plus chiant. Ouais, bien sûr, je me doutais qu'il veut absolument sa putain de porte. Temporairement, je mets cette porte là. Au pire, je vais commencer à faire un truc comme ça. Il n'y a pas de radiation sur cette planète, donc on risque pas de se faire radier ou d'avoir des soucis, mais on va quand même faire un petit toit ou des petites conneries, histoire de dire, bon, on la couvre un peu. En gros, on va dire que là, c'est un petit sas, tranquillement, sans grande... Est-ce qu'il y a des petits... J'ai débloqué normalement des petits endroits. Non, j'ai pas de petits murets. Le grand, il va prendre toute la place, il va finir en dessous. Ok, bon, moi, ça me choque pas, perso. Maintenant, c'est là que ça va être assez rigolo. On va en faire beaucoup des zones d'atterrissage. Donc, une zone, est-ce qu'il est bien aligné? Oui. Et à chaque fois, faut mettre des portes. Même pas, finalement. Il me manque quoi? Des plaques. Voilà, comme ça, on a des plaques. Ça nous fait un truc à 6. Ça va, ça sera pas dégueulasse, ça va être propre. Je trouve, vu du ciel, ça va être bien structuré. Vous en pensez quoi là comme ça?
Bien sûr, maintenant ici je vais mettre un petit endroit pour pouvoir descendre et faire tomber le sous-marin. Alors, rapidos, tranquillos. La fameuse porte que je vous avais parlé tout à l'heure, bah, elle était là, il y a 2 secondes devant ma gueule. Ah non, mais là c'est une très grosse construction, Olivier. Mais vraiment une très très grosse. Comme ça va faire une vraie base de fou en fait. C'est un peu l'objectif, c'est d'aller de faire une base, mais grandiose en fait. Donc là, vite fait, c'est tout ce que j'ai en temporaire. J'aurais même pu faire un truc encore plus con. C'est quoi pour se couvrir? On va faire un truc. Peut-être un peu étrange, mais ça peut être intéressant. Regardez bien. Vu qu'on va se faire attaquer souvent par des sentinelles. Soyons pas cons. Ah, je vais foutre vite fait un petit toit. Le petit toit ici. Voilà, comme ça me protège légèrement. Donc après, c'est pas encore fini. Mais voilà, faudrait que je me protège même sur les extérieurs. Comment je peux faire pour les extérieurs? Donc tout ce qui est vert ici. Parce que eux, ils attaquent, hein. Ils s'en foutent en fait si vous êtes cool ou pas cool. Ils vous tombent dessus, c'est fini pour votre tronche. Hein. Tant pis pour ça. Moi, je voulais faire un petit truc mignon, mais finalement, on va se contenter du basique. Voilà, moi, ça me choque pas. Comme ça, il y a juste un peu d'air ici, au pire. C'est vrai que... Pire, ici, on s'en fout, on voit rien. Je pourrais fermer la structure comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de fermer, mais c'est juste pour l'esthétique. Ça fait un peu plus vraiment base, plus travaillée. Donc en gros, maintenant qu'on va rentrer, vous allez voir, c'est pas fini parce qu'après vous allez avoir la déco. Déjà, je trouve que ça fait plus base là. Voilà. Ça respire. Par contre, il y a juste un défaut, c'est les couleurs maintenant. Après, on pourra changer les couleurs, hein. Mais attends, c'était laquelle? C'était celle-là. C'était pas les mêmes couleurs, c'est pour ça que je dis ça. C'est où la sortie? Donc là, c'est propre, c'est propre. Je vérifie chaque petit détail. Hein. Oh putain, je viens de la gommer. Oh, putain. C'est chiant quand tu te foires. Ok, maintenant on va mettre le Minotaure et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, le Minotaure, ça va être juste des. Attends, je crois que j'avais en fait débloqué un truc qu'on appelle des pancartes lumineuses. Ah non, ça c'est de la merde. J'ai pas débloqué le sol lumineux. Merde. Ah, c'est du sodium en fait pour ça? Parce qu'en fait, je pouvais débloquer le sol lumineux directement. Peux-tu fabriquer des pièges à sentinelles si tu as des outils pour. Non, tu peux pas. C'est un jeu passif. À part certaines planètes qui sont un peu dangereuses, mais dans l'ensemble, non, tu pourras pas. Ça reste trop basique. Quand tu rentres, j'ai pas envie de me taper trop la tête. Je vérifie, hein. Ça va être plutôt dans les grosses bases où il y a des grosses surfaces. Mais est-ce que ça va être chiant? Faut tout relier avec les câbles, comme d'habitude. Spécialiste, énergie. On n'a même pas en fait. Ok. Ouais, c'est plutôt basique, hein. Tu peux pas après. Regarde, là je vais me faire attaquer, j'ai des sentinelles qui veulent me casser la gueule. Donc après on va mettre des interrupteurs. Je les ai débloqués il y a pas longtemps. Je regarde vite fait. Là, on a un message si on veut parler. Par exemple, bienvenue à tous, welcome, je sais pas quoi. Vite fait, je vais faire un transfert en ligne. Je vais appeler ma base. Là, j'ai sauvegardé. Je vais renommer vite fait la base.
Alors, je l'appelle comme ça. Maintenant, je vais faire vite fait une petite capture d'écran. Ah ouais, non, mais les portes, j'ai pas encore fini. Hein. Je suis qu'au début. Hein. T'inquiète, on va en faire des putains de gros trucs. Hein. Donc là, tu fais pour l'instant. Ah putain, ça s'est enlevé le truc. Donc pour l'instant, je la mets pas en ligne encore. Je vais la mettre tout à l'heure en ligne. Putain, il y a un truc qui vient de s'enlever, vous avez cramé. Ah merde, attendez. Ah, c'est ça qui est un tout petit peu dommage, c'est comment tu peux vite fait des fois te faire couillonner. Structure. Les sentinelles cassent pas les murs, heureusement. Sinon j'aurais été vite fait dans la merde. Non, non, ils cassent pas les murs. Ça y est, ça c'est fait, c'est propre. Ok. Continuons. Maintenant, mettons des minotaures, mettons des fenêtres, des portes et tout ce que vous avez envie. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les lumières sont cheloues, elles s'allument pas du tout. Donc maintenant, je vais retourner vite fait dans l'électricité. Technologie. Technologie. Énergie. Il n'y a pas des boutons là? Énergie. Voilà, interrupteur. Et c'est parti. Ah, c'est ça en fait. Quand tu rentres dans ta base, tu peux te mettre un gros truc comme ça. Ah putain. Interrupteur. Ah, il faut du cobalt ionisé. Ouais, comme par hasard. Rien que ça. Rien que ça. Parce que si on met pas d'interrupteur, ça marchera pas en fait. Donc tout ça, après, il faudra le relier bien sûr pour que ça soit pratique. Donc je continue vite fait dans l'esthétique encore, d'accord? Donc après, on a encore des trucs comme ça à mettre. Hein. Extracteur de gaz et tout ce qui s'ensuit. Ça, j'ai jamais testé ces trucs-là. Là, je vais partir sur de l'esthétique. Structure. Alors, où est-ce que je peux faire les... Au pire, j'ai une petite idée. Pour les véhicules. Ah, bah oui, c'est une vide gogol. Donc déjà, ce qui est bien, c'est les pylônes, ça fait propre. Donc là, on avait dit le côté aquatique. Ça, je le ferai après. Je vais peut-être commencer à faire le côté... Et comment ils m'attaquent, les sentinelles, ils sont tout simplement sur mon cul. Là, je vais mettre le côté maintenant aéronef. C'est-à-dire les véhicules. À partir de là, il y aura les véhicules maintenant. Juste en dessous, on va commencer à faire des belles petites plateformes pour mettre les engins, etc. avec des vrais hangars. Donc, très concrètement, ça va être très simple. On va mettre vite fait un escalier qui tombe. Ouais, bien sûr, ça marche quand ça veut, cette merde. Ça, c'est quoi, un joueur? Il y a des joueurs maintenant qui vont venir ici. Pilote posé. Ça y est, on va en avoir de la visite. Hein. Je vous dis, ça va attirer du clic, tout ça. Demain, je vais revenir à la base, il y aura plein de bases autour. En fait, j'ai mis des balises de sauvetage, j'ai tout mis. Ah tiens, justement, tant que j'y pense. Heureusement que je viens d'y penser à un truc, parce que j'allais l'oublier. C'était de mettre, en fait, des technologies un peu plus tranquilles, comme celle-là, par exemple. Elle se pose pas n'importe où, cette merde. Faudra que je trouve un endroit où la mettre. En fait, c'est un marché galactique. C'est là qu'on peut faire les courses. C'est purement de la déco. Ok, il faudra que je mette beaucoup plus d'électricité. Là, vous voyez, même en pleine journée, on est en train de se faire couiller. Après, il y aura le téléporteur ou les téléporteurs que je pourrais mettre à l'intérieur. Ah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Le nouveau spawn du jeu. T'as pas eu tort presque hein, dans ce que tu dis.
Le mec, il s'y croit. Attends, parce que c'est vrai que je trouve que ça manque d'éclairage à fond maintenant. Même de batterie. Tu vois tout ce que je vais commencer à mettre. Non, mais c'est exactement ça en plus. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Je fais une grosse base, un gros pôle multijoueur en fait. Bah, la planète, elle est belle en fait. Donc, c'est ça qui est super cool. Attends. Ce qui est chiant, c'est vraiment de mettre l'énergie. Parce qu'il y a un truc comme ça, mais j'arrive pas du tout à le mettre. Je vais vous montrer. Faut que j'ai des blocs de plaques. Ça, j'arrive pas du tout à le poser. Ça marche pas du tout. Ah si, ça marche. Ah l'enculé. Classe C. Putain, la dernière fois, ça marchait pas. Mais ce jeu, il se fout vraiment de ma gueule. Je crois que ça devait être juste en hauteur, en fait. Par contre, je vais pas être con, je vais mettre deux générateurs. Vu qu'un, ça a l'air limité, on va mettre deux, même voire trois. Attends, où est-ce que je peux le foutre celui-là? Ah, ça va faire propre le résultat. Ça, le mec, il s'y croit trop dans le jeu. Le type, ça y est, il a bouleversé tout le truc. Est-ce que ça tremble un peu? Ce jeu-là, il est vraiment un peu étrange. Youp. Voilà. Là-dessus, c'est bon. Je vais relier les deux entre eux. Et ça va charger. Décharger. Décharger. Est-ce que il a combien celui-là? Puissance du champ. 12%. C'est pas énorme. Hein. Donc j'en utilise beaucoup plus en fait en termes de surcharge. Faudrait peut-être que je lui trouve un autre endroit à lui. C'est pas le meilleur endroit où je l'ai trouvé. Je vais vite fait tester autre part. Attends, faut que je retire vite fait les câbles alors. L'autre. En fait, faut trouver des endroits où ils sont beaucoup plus lucratifs, c'est-à-dire où il y a plus de pourcentage. Par exemple, je vais voir ici si c'est pas plus rentable. Ouais, par contre, il se pose pas ici. Est-ce que tu crois qu'ici il se pose à combien de pourcents ici? En fait, il faut vraiment trouver l'endroit idéal. 17, c'est encore pire. 6%, donc tout à l'heure on était à 12, là il est à 6. Je sais pas si c'est plus haut qu'il faut le mettre encore. Sinon, je lui fais un coin doré au truc. Hein. Parce que c'est vrai que l'énergie solaire, en fait, c'est ce qui est con, c'est que le soleil ne chauffe pas tout le temps. Ah bien, je suis bien tombé là. Ouais, je vais vite fait faire un truc. Prendre mon module de survie, sinon je vais crever. Et c'est traître, hein, faut vraiment tout bien calculer. Où est-ce qu'on pourra foutre l'énergie? Ça m'inquiète un peu parce que les pourcentages sont tellement merdiques. Je regarde un peu. Décoration, technologie, solaire. Par exemple, je vais tenter là. Ça, 39. C'est déjà un peu mieux. C'est toujours du 12. Putain, vraiment des cons, eux. On va voir s'il n'y a pas d'autre endroit plus propice. Je teste, hein, je fais au pif. Hein. Ah, 61. C'est déjà plus patate. 20. En fait, j'ai capté 20 et là-bas, on va être à combien? En fait, j'ai l'impression que ça va être plus vers le fond là-bas qu'on va mieux capter la zone. 75. 25. Oh, ils sont dans leur monde, hein. 25, ça veut dire qu'en gros... Là, je rigole si on a 80.
Ah, je me suis explosé. 48. Ce qui nous fait 16. Oh là là, c'est des relous, hein. Bon, là, je pense pas qu'il y aura des trucs. 68. 22. Moi, je vous parie que ça va être de l'autre côté là-bas. Ça va bien capter. Le mec qui va se mettre carrément une centrale de l'autre côté. Ah bah oui. 45 déjà. C'est parti pour la guerre. Quand je vous dis qu'elles sont agressives, ces putains de sentinelles, elles le sont, hein. Quarante-quatre. Je trouverais pas mieux. Peut-être ici. Défoncer. 41. Non, le mieux en fait c'était là. Ah, ça va être relou. Je suis dans une zone hyper agressive. Ok, donc moi je dirais que peut-être ici, on va devoir faire un truc. Bon là, ils vont venir dans pas longtemps m'emmerder, hein. Je vous ai dit, pour construire un truc ici, c'est même pas la peine de rêver, hein. Ça va être beau, donc je pense que cette île-là, faudrait que je me la colonise. Voilà, on va passer à un niveau plus balèze, faut que je me barre. Là, ils envoient des sentinelles de plus en plus puissantes. Allez, comment ils vous lâchent pas. On verra dans 2 secondes la solaire. Hein. Oh là là, ça y est, ils sont chauds patates. Logiquement, je risque rien à l'intérieur. Je pourrais même les regarder si vous voulez. Regarde, ils sont là. Il est en train de faire sa petite vie. Je vous dis, vous êtes en sûreté en fait. Dans les bases. Heureusement. Et même de là, je peux me les taper. C'est ça que j'aime bien en fait. Le seul coin vulnérable, c'est vraiment là en fait quand tu regardes. Ok, bon, bah maintenant on va devoir construire sur cette île. Donc l'énergie solaire, la mieux, finalement, c'était là. Attendez, hein, je vais voir. Hein. J'ai une technique redoutable, pour le savoir. Voilà, la petite porte. Même là, je mettrai après une vraie porte, au pire. Et on va faire vite fait un petit truc mignon. Faire un endroit où on va tester les générateurs. En moins en hauteur, ce que je sais, c'est qu'il va pas tomber dans des embuscades en fait. Alors, il est où l'énergie? Technologie, énergie. Donc là, je pense qu'il va vraiment bien tourner. À combien il est? Pas ouf, hein? 32. Oh putain. Donc, 32 ici. Combien il a là? Ici, il a combien? Ouais, un peu moins, je pense. 29. Ah, ils veulent absolument que j'aille de l'autre côté. Hein. C'est quoi d'abord? Je vais faire un truc très con. On va faire un petit point de repère. Pas se prendre la tête. Hein. On va tester Rapidos combien il prendra dans cet endroit et dans l'autre endroit. Alors là, c'est déjà mieux. 40. Dans cet endroit-là, il prendra combien? 37. Ah, il est chiant leur truc, hein. Vous en pensez quoi? Je pensais pas que c'était aussi relou en fait l'électricité avec eux.
Générateur à 41. Je vais tester des dalles un peu au pif. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est juste qu'il faut trouver le bon truc en fait. Je teste, hein. En fait, je n'ai jamais mis celui-là, mais je sais qu'il est très très rentable. Combien on est là? 40. Toujours le même point. 44, c'est déjà mieux. Ah, là, ça m'a l'air de plus bombarder. 46. En gros, je suis presque sur la bonne voie finalement. Peut-être vers là-bas, on va voir. Hein. On s'en fout, on teste. Hein. En fait, je crois que ça va être tout le temps la même chose en fait. Ça dépassera jamais en fait, à mon avis, un certain pourcentage. 44. C'est pour aller aussi loin, je veux pas me faire chier. Hein. 42. Bon, c'est pas grave. Donc on va se trouver un petit coin bien mignon. Donc là, je pense que je vais commencer à faire descendre les escaliers, vous allez voir. Voilà, quelque chose de grosso merdo ici. Je vais même pas me faire chier, je vais le faire plus court. Et je pense que ça va être vers là, le plus intéressant. Et on voit. Là, si là il a 45, c'est bon. Je me dirais qu'on a fait quelque chose de normal là. Ici, par exemple, je vais mettre sa position définitive. Il va être à combien? 44, ouais, c'est bon. On va pas s'emmerder. Maintenant, ça va être le câblage. Je sais pas s'il est assez grand le câblage hein, dans le jeu. Jamais testé un câblage aussi grand. On va voir. Hein. Je doute qu'il peut aller aussi loin, moi, le câblage. J'ai un putain de doute là. Ça va, si le câblage peut aller aussi loin, c'est qu'ils ont pas foiré leur jeu, justement. Oh merde, je l'ai foiré. L'installation en fait chier. Mais c'est bon, il peut aller aussi. De là, tu le prends et tu l'amènes jusqu'ici. Je vais aller parce que visiblement il se fout de ma gueule le truc. Oh putain. J'ai jamais vu un jeu où il faut pousser autant les câbles. Donc c'est bon. La batterie normalement est censée se recharger. Et si j'en mettais deux ou trois comme ça? Donc des plaques, ça va, je l'ai fait en 2 secondes. Et si on arrive à se faire des putains de générateurs, pourquoi pas, hein. Combien il a là? 43, ouais, moi je me dis que ça passe. 43, 45. Après, c'est peut-être pas le meilleur emplacement, mais c'est plutôt bon, on va dire. Ça fait un petit truc bien, bien propre. Maintenant, je vais les relier parce que là, ils sont pas du tout reliés les uns avec les autres. Ah, les bâtards. Ok, je vais devoir passer à une autre technique. Ah, je viens de capter un truc qui m'énerve. Je vais devoir mettre tous les batteries ici. C'est quoi, on va s'aligner les... On va mettre plein de batteries. En fait, je vais faire un endroit électrique. Hein. On va pas s'emmerder, on va le faire là.
Ici, ça va être un peu mon pôle énergétique, je dirais. Un petit bâtiment ici. Alors, c'est très simple à comprendre. Donc, l'énergie, vu qu'on n'en a pas beaucoup. Je vais vite fait faire tout un sas ici. Donc, un énergie, une batterie, deux. Faire quand même au propre. Putain, ils attaquent déjà. Regardez comment c'est chiant. C'est. Il est où le connard? Ah, il est en dessous de moi. Donc de là. Je vais faire quand même un peu d'esthétique, sinon ça aura pas du tout de sens. Voilà. De là. Ok. Tout va être relié, mais. Faut vraiment se prendre la tête avec les câbles là, j'en sois un jeu comme ça. On dirait pas, hein, au début No Man's Sky que c'était ça. Et du coup, bon voilà, ça, ça va fournir de l'énergie. Et maintenant, il faudra que je mette un câble, c'est-à-dire une batterie. Vers la base là-bas. Parce que ça va être extrêmement énergivore en fait, comme structure. En fait, ce qui tue le plus, c'est ces structures arrondies là. Donc je vais la mettre à cette batterie. Heureusement qu'on a enlevé les câbles, sinon ça aurait tout cassé en fait, toute l'expérience. À combien d'énergie nous sommes et à combien ça peut donner. Donc là c'est bon. Vous avez vu? C'est bon, je suis à 400, pas loin de 400 et ça donne ça. Et encore, on peut même augmenter encore le ratio, hein, on s'en fout. Hein. Là je manque de plaquage en or, c'est pas grave. Avec ça, tu mets quoi? Tu mets des antennes un peu partout. Hein. Donc tu fais 4. Oui, j'essaie de vraiment. Je vais même en mettre un cinquième. Avec autant de choses, je pense qu'on peut que avoir du positif. Après on s'en fout, est-ce que c'est relié, hein. Donc ça marche, hein. J'essaie de toujours tout relier comme ça. Je me dis, s'il y a une couille quelque part, c'est relié. Voilà, donc là les batteries vont être à fond. Donc là, il faudra juste du temps, mais avec tous les énergies solaires qu'on leur a mis dans le cul, là, ça va. Il y a presque 600. Donc j'en utilise quand même beaucoup, en fait, hein, finalement. Donc le réseau est à 617, et nous, on n'utilise que 130 pour l'instant. Vous allez voir en 2 secondes comment ça peut vite se remplir. Du coup, on va faire un truc vraiment mignon. Structure. Je regarde un peu ce qu'on pourra mettre. On pourra mettre peut-être des trucs comme ça. Comme un toit, on va dire. En fait, ça fait genre un truc électrique sur le côté. Regarde. C'est peut-être pas le truc le plus joli à voir, mais ça passe. Regardez comment il a bugué l'autre, la sentinelle. Et comment des fois elle bug. Et même là, j'aurais même pu faire un truc très simple. Faire descendre la structure. Et là, tu descends tranquillement ton escalier. 1, 2. Voilà, un truc basique comme ça. Merde.
ça fait quelque chose de propre. Voilà. Là, après, on peut se protéger si on le veut, mais on va pas le faire. On va juste faire ça, esthétiquement. Voilà, et là j'aurais même pu enlever en fait le générateur ici, mais ça va, ça me gêne pas. Parce que je passerai pas avec des véhicules, donc j'ai plus qu'à l'enjamber, ça me fait vraiment une petite centrale qui va s'agrandir de plus en plus. Et sur cette île, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bah ça va être la surprise, je sais pas. Peut-être le pôle sous-marin, tiens, on va le faire tout de suite. Donc à partir de là, je pourrais faire en fait le côté sous-marin. L'embarcation... sous-marine. Alors, comment ça se passe? Je l'ai jamais fait, donc du coup, on va découvrir. Grande taille, spécialiste, biome. Attends, c'est où le truc aquatique? Grande taille, tout est mal mis en fait. Ah, ça y est, aquatique. Donc, ça, c'est une base aquatique. Logiquement, elle peut se poser à l'intérieur. C'est là que ça va être assez rigolo. Putain, on va galérer. Je sais pas si je peux pas la mettre comme ça. Alors, ça c'est quoi un abri sous... Ça c'est quoi à partir d'où tu passes? C'est quoi cette merde en fait? Ah ça se met sur la terre ferme. Attendez. Je vais essayer de l'étudier différemment le truc. Je vais quand même faire un petit sas bien mignon parce que ça va ressembler à rien sinon. Ok, base. Ah, c'est pas simple leur truc. Ok. On va dire que là c'est bon, c'est propre, c'est mignon, il a tout ce qu'on veut. Ok, donc la base, je pourrais peut-être la faire partir à partir de là, ça fait plus propre. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'aller tout le temps courir, la faire. Donc le côté aquatique. Aquatique, donc on va mettre, on va immerger déjà un truc. Vous voyez, il y a plein de trucs qu'ils ont mis en place. Hein. Mais après, bonne chance pour retrouver. Ah oui, il y a des trucs. Cristal de soufre. Soufre machin, ça je sais pas comment tu le trouves. Ah bah oui, on va bien galérer pour la faire. Il manquera beaucoup de choses finalement pour faire la base. Putain. En fait, j'arrive pas à le faire parce qu'il manque des choses. Je manque des matières premières qu'on n'a pas. Faire une chambre basique, ça je peux en faire 80. Mais alors le reste, bonne chance. Même ça, je peux pas le faire. Déploie rapidement. Ok, bon ça en fait, la base on la verra plus tard. La base, on verra ça un peu plus tard au pire. Par contre, le bâtard, il est juste là. Hein. On va passer sur du plus basique. Alors, vu qu'ici, extracteur, de quoi? Plaquage, faut que j'en fasse deux. Ça, je sais pas non plus comment ça marche. Extracteur de machin. Ah putain, il manque de l'ammoniac. Je l'ai oublié à la base. Pose de communication, bougez pas. Hein. Déjà, ce qui est bien, c'est que l'électricité, ça, on arrivera petit à petit à se gérer. Hein. On va devenir autosuffisant. Donc là, la structure, on peut faire un truc beau. Je peux en mettre que 10, donc c'est pas énorme. Putain, j'ai de la machine à récupérer ce qu'on était en train de créer la dernière fois. C'est vrai que pour faire un beau truc, des beaux couloirs, ça va demander un tout petit peu de temps. Une base comme ça, je sais pas combien d'heures il faut, mais il en faut. Ok, donc là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Le four, il est en train de bosser. Après, je ferai une immense salle de four avec tout ce qui s'ensuit. Puis là, je peux même faire un terminal après, vous allez voir. Là, je vais essayer de faire un truc assez classique. Entourer un peu la base. Ça, je m'en fous finalement. Ok, on va contourner, on va faire un truc plutôt basique, vous allez voir. Ça sert à rien, tu peux pas. Il n'y a que ça que tu peux. Ok.
Là, je vais essayer de faire un beau truc pour bien coller la base, vous voyez. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas. Comme ça, j'essaie de faire un truc un peu plus propre. Putain, il y a des trucs que tu peux vraiment pas faire. Hein. Ah putain, j'ai cru que c'était déjà posé. Comme ça, si je veux partir plus vite entre les plateformes, je pourrais. Encore, j'aurais même pu foutre l'énergie en fait solaire ici, pour être franc avec vous. Après, je sais comment contrer le vide. Ça y est, la nuit, elle commence à tomber. Regardez comment c'est bâtard. Faut vraiment le mettre là où il faut. Pas grave si ça fait ça. Ouais, c'est chelou leur truc. Hein. Là, oui, parce que là, j'ai pas mis de porte. Putain, le crétin. C'est pas grave. En fait, c'est vraiment du mini-sur, en fait. En fait, j'aurais dû faire à partir de là. Ça l'aurait tout de suite mieux fait. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus compatible. Ah, largement même. C'est en fait, c'est à partir des chambres que j'aurais dû faire et pas faire. Je sais pas pourquoi j'ai merdé alors. C'est pas grave, on n'aura pas perdu beaucoup de temps. Ah oui, et là on recommence à faire la même erreur. En fait, il faut que je mette des portes partout en fait. Je vais faire un truc très simple. Mettre des portes partout. Ouais, c'est aussi con que ça en fait. Faut mettre des portes vraiment, vraiment partout. Là, il y a une porte, il y a une porte, il y a une porte. Là-bas, il n'y a pas de porte. Là, il n'y a pas de porte. Et là, il n'y a pas de porte. Voilà. Et vous allez voir, ça va tout de suite être beaucoup plus logique dans 2 secondes. Oh putain, le truc de bâtard, le troll. Ah bah voilà le troll, salut Oh non, il est de retour. Comment ça va enfoiré? Je crois que t'allais jamais venir, c'est ce que je disais justement, que Victor n'allait jamais revenir en fait dans le truc, qu'il allait pas me suivre justement sur Twitch. Comment tu vas la poule russe? Salut Babouchka. Enfoiré. Là tu vois c'est bon, tu peux te détendre avec tes gamins verts. Mais ça y est, il a choisi un pseudo Victor Gamon Vert. Comment tu roules? Ça va? Tranquille? C'était pas trop chaud avec ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg là ces derniers temps? Par rapport au truc là qui avait brûlé là? Tranquille? Eh, c'est chiant de mettre les dalles, hein. Putain, vous avez vu? Mais je vais réussir au bout d'un moment, mais c'est vrai que c'est juste là que ça va nous demander un peu de... Là, ils vont tous se poser chez moi ou pas? Même pas. Même la bannière que t'as mis. Ouais, t'as mis carrément gamin vert, espèce de ouf. Je sais pas ce que t'as toi avec tes gamins verts. Hein. T'es drogué avec ça. J'ai compris pourquoi ça coince, les amis, vous allez tout de suite comprendre. C'est vrai que cette putain de plateforme, elle a plusieurs portes. Gamin vert, regarde-moi ce fou là de ça. Voilà pourquoi ça coinçait en fait. Voilà, déjà ça fera plus propre. J'ai coupé l'image de la traîne. T'es vraiment devenu un ouf toi de tes trucs. Ça va tenter jusqu'à la fin de tes jours ce gamin vert, je crois.
Tu grandiras, tu pourras dire, je me suis foutu de la gueule d'un youtubeur pendant toute ma vie avec des gammes au vert. Et comment tu m'as retrouvé en fait? Ce que je disais, je pense pas qu'il va me retrouver avec tous ces changements. Oh, c'est l'embrouille totale ce truc. Eh, vous êtes quand même d'accord ou pas? Vous trouvez pas que c'est un peu l'embrouille là, leur truc? Ah ouais, c'est pas du tout droit même. C'est l'embrouille leur truc. En fait, je vais trop vite, je crois. C'est à partir de là que ça coince. Ouais, à cause de ce truc. Parce que là, le problème, c'est que vous pouvez passer même en bas. C'est facile à trouver. Ah bon, à ce point-là? Alors, comment t'as fait? Donne-nous ton secret. Je trouvais pas que c'est quand même traître ce jeu par rapport en fait au petit point au panneau qui dépasse légèrement ou pas légèrement. Ah oui, ça je me doutais. Si j'aurais fait une rediff de Choupi, tu m'aurais jamais retrouvé. Alors t'as bien aimé Maman je 50? Je pense que tu te remettras pas de ça. Toi qui voulais me voir claquer là-dedans, c'est loupé. Eh hey, c'est impossible leur truc. Eh hey, franchement. Ils ont vraiment mal fait leur structure, j'ai l'impression. Bon, tant pis, on va pas s'emmerder pendant des heures, mais vous en pensez quoi? Je pense que je vais m'arrêter au pire. Ah, c'est chaud. J'ai eu chaud pour pas me tuer. Il aurait été content, lui. Je pense qu'on va s'arrêter à là, en cloisonnement. Ouais, jusqu'ici. Après, ça a l'air de merder, donc ça, je m'en fous, je vais les laisser tomber. Donc pas besoin d'aller aussi loin. C'est vrai qu'après ça fera dégueulasse. On va considérer que c'est le max. Donc là ça sert plus à rien. Ok. Je m'arrête à là. Et après tu finis avec ça. Ah oui. Je suis mort au début, oui, c'est vrai. Non, je suis pas mort dans cette manche. Zéro fois, je suis tombé. Il y a d'autres parties où j'arrêtais pas de mourir, mais là, pas cette fois-ci, tu vois. Ah putain, c'est vrai qu'ici. Oh là là, faut tout coller bêtement. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de changement? Ah, sincèrement, j'ai jamais vu ça. Bon, bref, tant pis, je vais faire ça comme ça. Mais là, je suis sur le cul. Je suis sûr que je mettrai le générateur qu'on avait mis pour l'électricité. Ici, ça va capter. Moi, ça marche pas les mes dons sur Twitch. Ah, comme ça, tu pourrais économiser de l'argent. Tu verras que les abonnements. Ah, ça, je sais pas. Je crois qu'il faut avoir le Prime. Mais toi, t'es de Russie, donc c'est pas pareil. Bon, moi, ça va te faire un petit peu une pause financière avec tout ce que t'as mis déjà sur la table. Tu pourras vraiment souffler, Victor. Et moi, tu verras que Body t'aime pour ce que t'es, pas pour tes dollars, tes roubles là. Merde. Je l'ai posé quelque part. Oh putain, ça va où cette merde? Attends, je vais voir. Ça m'accepte les conditions, je sais pas quoi. Ah. Il a détecté, t'étais un pirate russe. En gros, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça fait moche. Et je vais juste faire un test pour le délire. Hein. Là, vous allez mourir de rire. Vous êtes prêts à rigoler? Je suis sûr que l'énergie solaire qu'on a fait tout à l'heure, ici, il va être 10 fois plus rentable. Je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment. L'énergie, on va rigoler. Là, je vous parie qu'elle va être à 100%. Un an 31. Oh, les crevards. 10%. Ah oh, ouais. C'est vraiment de la merde. 10% et là-bas, au fond. 9. Oh là là, il n'y a vraiment pas du tout. Oh là, 3%. En fait, c'est qu'on n'est pas du tout dans le bon terrain. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on a de quoi se déplacer tranquillement, sans tomber. J'ai dit ça un peu trop vite. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas dans ce jeu-là. C'est. Faut voir à chaque fois les détails. Oh
tant pis, je vais faire ça comme ça. Pour pas qu'on tombe. J'ai acheté Call of Duty. Premier game. À niveau, j'ai fait avec des mecs. Deuxième, 19. Ah, oh, ça va, j'ai fait 50. T'as de la marge encore. Donc là, on va pas mettre de choses au milieu. Vous voyez, en fait, je voulais faire un beau truc, un super beau contour, mais ça n'a pas marché. Ah, t'as encore un petit joueur, t'as encore de la marge, Victor. Donc là, je pense qu'on va laisser tomber. Vous allez voir, après, ça va se poser en masse, en fait, ici. Les sentinelles sont déjà à mon cul. Alors, est-ce que ça marche, l'électricité? Ouais, ça marche, en fait. Regardez bien. En fait, vu qu'on a mis les générateurs, ça marche plutôt bien. Donc là, l'électricité est à fond partout. Est-ce qu'on a les trucs qui marchent? Ouais, tout marche. On pourrait acheter des... Putain, ça rapporte rien ici. Hein. Ça rapporte vraiment rien. Je vais vite fait prendre des plaques, ça m'évite d'en faire. Du cobalt. Putain, ça rapporte rien, il y a que des petites sommes de merde. Je vous avais promis tout à l'heure les véhicules, on va commencer à les faire parce que là, ça fait un petit moment qu'on attend. Non, je voulais vraiment bien entourer la zone, mais non, c'est pas possible. Putain, je voulais plonger carrément la gueule devant. Alors qu'est-ce qu'il a lui d'intéressant? Bon, son truc il vaut pas cher. Hein. Ça c'est bien justement qu'il se pose comme ça. Alors qu'est-ce que tu as d'intéressant? Bon, en fait rien. De la platine. Ils ont pas d'énormes trucs hein. Les salauds. Hein. C'est vraiment des tout petits joueurs. Faut que cette plateforme devienne encore plus connue que prévu. J'avais dit qu'on allait finir vite fait avec les vitres. De... Connard, moi. T'as vu Victor? C'est un truc de ouf quand même, hein. De 300 000, tu passes à 3 000. Ouais, ouais, je sais de quoi tu parlais, t'inquiète, j'ai capté direct. Ouais, ouais, je sais que ça allait te faire taper une barre, t'enfoiré. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même, hein, quand tu regardes Internet. Hein. C'est fou. Mais tu vois, la passion est toujours là, hein, malgré que le nombre n'est plus là. C'est pas ça qui me freine, en fait, au contraire. Mais c'est vrai que c'est marrant, en fait, de voir le changement. Ok, ici, on a l'abri, déjà. Eux, ils fonctionnent nuit et jour. Donc, en fait, c'est des générateurs tranquilles. Je vais retourner vite fait dans mon truc pour chercher de l'ammoniaque. Je vais commencer à mettre des extracteurs et après, on va faire les véhicules. C'est vrai que ça fait pas joli finalement les contours. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez au niveau des bases. Ouais, je verrai plus tard pour la rectification de ça. Ok. On va vite fait mettre des extracteurs et tout ce qui s'ensuit. Le plus intéressant, c'était ces structures-là. En fait, je les trouve quand même bien. Ces modules. On peut faire un truc à la con, vous allez voir. Je vais juste faire un truc, histoire de dire que la structure ne tient pas sur rien, en fait. Vous allez voir. Un truc basique. Ici, je vais faire juste ça. Un truc, deux trucs, et vous allez voir. Je vais mettre le gros cylindre. Ah, c'est en eau profonde, putain. C'est jamais les mêmes trucs. Aquatique. Spécialiste. Structure, grande structure. Le nouveau forest. Ouais, 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 je le ferai quand il sortira le forest 2. Merde. Putain, il faut pas être défoncé dans le jeu. Oh, ouais, oh lolo. Il veut pas me faire sortir par la porte. Voilà, ça va faire un truc comme ça. Du coup, une porte. Et un petit truc de fondation qu'on avait parlé tout à l'heure. Spécialiste, fondation. Je vais devoir tomber pour mieux rebondir. Ouais, je l'ai vu qu'il y avait une démo, mais celle-là, ça m'intéresse pas trop, leur jeu là, comme ça, là. Pour être franc, leur Resident Evil. Je suis pas à fond dedans en fait. J'ai vu qu'il y a des mots à tous les youtubeurs qui sont déjà en train de se jeter dessus comme des crevards.
Comme si c'était le jeu final. Comme d'habitude, quoi. Oh, je me suis explosé avec ma soucoupe de merde. Attendez, je vais faire un truc. Ça marche pas. Ah oui, j'ai capté à cause de ça. Putain, c'est vicieux. Hein. Voilà, comme ça, ça fait plus propre. Pas bêta, je me suis trompé. Ouais, je sais, c'est la démo que tu parles. Ouais, je sais. Elle était sortie il y a pas longtemps. Donc en gros, ça fait un peu comme des blocs d'aliens. Non, je vais la supprimer parce que ça fait moche. Donc les plateformes, il faudra juste que je trouve un endroit pour les faire plus jolies. Bon allez, je vais faire les véhicules parce que sinon on va mettre des années à faire les véhicules. Non, non, je sais que la bêta, tout le monde l'a fait. Ah putain. Ici, je pourrais jamais avoir la paix, putain, dans cet endroit-là. Le Minotaur, c'est le truc qui va plus vous intéresser tous. Et après, faites-moi penser avec le mur. Connard, celui-là. Donc ça, poubelle pour être remplacée avec des vitres. Parce que j'aurais bien voulu entourer la base de cette façon, mais c'est pas possible. Vu que vous avez vu comment elle marche plutôt mal en fait. Je vais récupérer des vitres et je vais faire quand même le garage en bas. Putain, je l'ai même pas lancé. Putain, c'est grenard ça. Ok. Faisons vite fait maintenant les fondations pour les véhicules. Les véhicules, comment on va les faire? Très simplement ici. Oh, ils vont nous emmerder. Ah oui, comme par hasard. Vous allez voir, donc tout ça, faut que je le nettoie avant. C'est vrai que c'est un jeu, faut vraiment passer sa vie à tout nettoyer. Ah, ces copains, ils vont venir nous emmerder, hein. Salut Darkness. C'est ça que j'aime pas dans cette planète, c'est l'hostilité. Il y a des paradis, en fait, beaucoup plus... qui me tirent dessus. Je croyais qu'il était mort, lui. Ils font pas peur parce qu'ils sont faciles à péter, mais c'est juste qu'ils arrivent après que des renforts. Donc là, ils arrivent avec des moyens plus lourds. Bon, je vais faire ma victime, je vais me cacher. Hein. Ah, le bâtard, il vient. Fallait que je ferme les portes. Faut vraiment que je... Première fois sur Twitch. D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? T'aimes pas? Au contraire, c'est plutôt cool. C'est plutôt pourri. Vous pouvez me donner votre avis. Hein, vous inquiétez pas. Vous allez pas me choquer. Hein. C'est pas mon père qui a fait la plateforme. Donc là, on va faire les aéronefs. Donc, ça va être tous ces véhicules. Donc, je vais commencer par faire... Je sais pas, moi. Après, je vais faire tous ces trucs-là aussi. Je sais pas c'est quoi. Il y a des courses. On va se faire un petit circuit à côté. Ça va être assez rigolo tout ce qu'on pourra faire. On va faire vite fait un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Ah ouais, ça j'ai pas encore fait. Il y a des trucs que je pourrais pas faire tout de suite. Comme ça je vais être tranquille. Il va pas m'emmerder. Donc, une plateforme de véhicule ici. On va choisir la couleur ensemble. C'est là, par exemple, peut le faire. Deuxième véhicule. Donc ça, c'est vraiment des véhicules de terrain ou d'exploration. Je vais voir vite fait ici.
cette couleur là et après ici si je veux je peux faire un dernier truc, ça va être de faire le Minotaur. Mais bien sûr le Minotaur il est plus relou que les autres parce qu'il faudrait vraiment le poser carrément sur terre. Je trouve sympa. Bah c'est le principal en fait que t'apprécies. On va mettre un grand véhicule ici. Ah, comme ça, ça fait tous mes véhicules. En gros, pas tous les véhicules, mais presque tous les véhicules. Voilà. On peut faire un garage si on le souhaite, hein. Donc là, pour appeler les véhicules, c'est très simple. Ah, ils vont nous faire chier, hein. Comme pas possible. Donc ça va commencer à avoir de la gueule, la base, hein. Faut juste que je me planque parce qu'ils attendaient que ça en fait. En fait ici vous êtes vraiment à l'abri. Logiquement ils peuvent pas trop faire feu. En fait ça peut être un moyen pour ceux qui ont envie de booster un peu leur truc. Et Victor t'es mort de rire hein. De 300 000 tu passes à ce niveau là, c'est quand même un... impressionnant, non? Donc là, on va mettre vite fait un petit Minotaur. En gros, c'est lui. Alors lui, où est-ce que je peux me le foutre? Peut-être ici, sur le côté. Vous savez quoi? On va se le mettre en plein milieu, ici. Lui, il faut qu'il soit vraiment isolé de tout. Voilà. Il nous restera un dernier truc. C'est la moto. À manquer des plaques. Des plaques, des plaques. Et après, on va faire des circuits. Je sais même pas c'est quoi les circuits. Après, je pourrais faire des tableaux de bord, des trucs de scientifiques et tout. Je peux vraiment me lâcher comme un cochon ici. Depuis quand il est sorti les Minotaurs dans Man's Sky? Depuis un bail, en fait. Après, je sais pas. Hein, je me suis absenté pendant quelques temps. Un bon moment, en fait, pour être franc avec toi. Il y a même un cargo, je sais pas si t'as suivi, il y a même un cargo dans le ciel que tu peux invoquer. Si t'as pas suivi qu'il y avait un cargo, tu vas être surpris de ce qu'ils ont mis. Regarde, il est beau le ciel. T'as même un cargo que tu peux aller dedans et faire développer aussi une base à l'intérieur, chose qu'on a fait déjà. Ouais, ils ont mis v'là les trucs, hein. Le jeu a grave évolué pour être franc, mais il n'est pas resté au même niveau qu'avant. Ils l'ont vraiment bien développé. Ouais, puis merde, hein. Vu que c'est plat, profitons-en pour faire un beau truc. Ah non, mais ils ont mis v'là les trucs, hein, je te jure. Hein. Le jeu est resté loin de ce que t'as connu. Pendant qu'il a fait un flop, bah, ils ont tout simplement tout refait en profondeur. Même tu peux voir, il y a là les véhicules aussi. Hein. Donc le dernier véhicule qu'on n'a pas mis, c'est lui. Attendez, il faut que je recule un peu. On va le mettre là avec une autre couleur. Ça, c'est la moto. On va prendre par exemple cette couleur un peu plus dégueulasse. Voilà, ce qui me fait quand même un petit parc automobile bien sympa. Donc de loin, la base elle est loin d'être finie, mais elle commence à me plaire, et vous? Après bien sûr on aura le radar qu'il faudra que je mette, mais ça, ça sert plus à rien. Le truc de sous-marin. Et bien sûr, on va rigoler, ça je l'ai jamais testé. Ah, je me suis donné à fond, moi, sur ce truc, je te jure. Attendez, parce que là, faut que je fasse des plaques. Je travaille dans le passé, depuis sa sortie. C'est sûr que tu travailles dessus, sur tes projets. Ouais, grave. Oh non, il recommence, ce fou. Comment ça roule? Donc ça, c'est un nouveau truc qu'ils ont mis en place. Je ne connais pas du tout ce truc, vous allez voir. Je pense me faire un petit circuit à côté.
Ça, je sais pas du tout c'est quoi cette merde. Hein. Ça, j'ai rien compris à leur truc. Ça, je vais essayer de le mettre vers ici. Ça, j'ai pas compris c'est quoi. Est-ce que c'est pas un truc pour aller plus vite ou moins vite? On va tester, mais je sais pas. Ah non, mais ça a grave évolué. Hein. Attends, je vais vite fait tester un autre truc. Ce véhicule. Ah non, c'est juste pour faire la course. Putain, ça commence un peu à laguer. Hein. Je le sens. Puis après, là-bas, je peux faire un truc très con, vous allez voir. Structure, base. Merde, dommage que là, j'ai pas construit avant. Parce que ça dépasse un peu, on aurait pu faire un truc aplati. Mieux aplati, mieux posé, mais c'est pas grave. Ouais, faut que je démonte tout en finale, en gros. Ah bah tu t'es fait supprimer tout seul. Victor, il s'est pris la première fois un game over sur le truc. Bravo, monsieur Victor. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Par exemple, on peut mettre une structure pour nous protéger ici. Un silo comme ça. Même si lui, il sert un peu à rien, on va dire. Ça fait un peu comme une vieille tour, en fait, vous voyez. Ça, tu peux l'avoir de loin. Ça va, ça peut faire un petit style, en fait. Vous en pensez quoi? Le Minotaur, je l'ai mis ou pas? Ah oui, il faut que je l'invoque. Oh, il m'a fait flipper ma race. Je l'ai un peu mis à l'envers. Hein. C'est pas grave, il va s'attaquer vers l'autre côté. Vers ici. Du coup. Ça, c'est bon, c'est bon. Voyons voir ce que ça va donner en mode capture. C'est loin d'être fini, hein, mais regardez. Fin de capture. Je vais faire un truc, bien sûr. Tant qu'à faire, on va faire un travail de pro. Mais t'as l'impression que ça chute quand même en termes d'image par seconde. Hein. Coucou ceux qui viennent d'arriver. Salut Katei, la forme. Donc je vais me poser là-bas. Peu importe hein, l'endroit. Mais vous en pensez quoi? Ça commence à devenir de plus en plus majestueux, je dirais. Là c'est bon, je vais tout simplement piquer vers là-bas. Quand on aurait pu faire un truc 10 fois plus beau que ça. Hein. Ça va et toi? Bah moi écoute, tranquillou. Hein. Donc je vais sauvegarder là. Malgré que je suis rentré, j'ai sauvegardé. Regardez bien. Hop. Faire une capture d'écran de la nouvelle base. Bon, les cylindres, en fait, finalement, ça casse un peu tout. Mais vous en pensez quoi, comme ça, à première vue? C'est loin d'être fini, encore. Hein. Parce que j'ai pas encore ma base de vie. Il adore son nom. Et là, tu la mets en ligne. Et du coup, tout le monde pourra après l'avoir maintenant sur le multi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, à part cette merde-là qui est moche, finalement. Mais vous en pensez quoi, sinon? Les véhicules, après, on aurait pu même faire un petit sas bien mignon, en fait. Hein. Derrière, je vais vous montrer hein, ce qu'on aurait même pu faire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bien le fameux game over qui est là. Là, c'est mon truc qui est posé. Après, les autres vont être posés. Et après, je peux vous montrer un truc très simple. Ce que je ferai, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur la première partie de la construction. Et plus tard, on continuera encore avec un autre live, on va en faire d'autres.
Comme ça, on va faire quelque chose de bien sympa. Je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Je vais aller dans un truc qu'on appelle le multi, vous allez voir. Par contre, ce qui est chiant sur No Man's Sky, quand je remarque, quand tu construis trop gros, ça bug. Donc de loin, c'est quand même correct. Regardez bien, on a plein de pistes. Les trucs d'énergie. Tu peux même pas le niquer. Donc, je vous montre. Hein. Donc en bas, je mettrai le pôle sous-marin. Ouais, je vais la publier plus tard, ouais. J'ai un peu de retard sur l'autre que je devais publier, mais regardez bien. Ouais, je publierai la rediff, t'inquiète. Je vous montre. Hein. Par contre, qu'est-ce que ça rame, putain. Et le jeu, il est pas optimisé de ouf. Donc c'est qu'un début, hein. Mais... Vous avez vu, c'est loin d'être fini, en fait. Je vous ai montré un peu comme ça, grosso merde. Bah ouais, bah d'accord. Oh lolo, oh lolo. Oh, le gamin ouvert à toute vitesse. Moi, je vais reposer un truc. C'est vrai que j'ai pas pensé. Vu que là, il fait beau. Profitons-en. Et après, on va s'envoler dans le cargo. Et il me manque encore. Même le téléporteur, je l'ai pas mis. Ah, ça te rappelle quelque chose, ça. Victor, il a passé beaucoup de temps sur mon fucking GTA, quoi. Parce que voilà, là, il y a un truc qui me plaît pas, je vais être sincère, c'est le pôle devant. Je mettrai une énorme piste, en fait. Ça crache à mort, ouais. Et là, tu fais un mode photo. En fait, attends, masquer le menu. Et tu peux te faire un putain de truc. Attends, je vais voir la caméra jusqu'à où elle monte. Ça peut faire un putain de truc joli. Ce qui est bien en fait dans le jeu, c'est que tu peux te faire des beaux trucs. Attendez, hop, petite capture ici. Je sais pas si ça capture maintenant. Donc là on a ça. Je sais pas si tu peux, attends, réactiver le truc. Prendre un cliché, comment tu prends? Faire une capture d'écran. Ah ouais, avec quoi je la fais? Ils sont marrants, eux. C'est quoi cette merde? Ça m'a carrément changé le truc. Ok. Mais la carte, pour moi, sincèrement, c'est l'une des plus belles que j'ai trouvé. Mais ici, vous pouvez la rejoindre, la base. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes... Je vais vous montrer comment la retrouver pour ceux qui jouent. C'est pas compliqué. Hein. Vous allez la retrouver en 2 secondes. Après, je l'ai pas encore fini, hein, la base. Mais vous pouvez la retrouver, franchement, sans problème. Hein. Il va manquer juste de mettre un téléporteur. Regardez bien, je vais vous montrer, c'est super sympa. D'accord, tu vois, dans mes créations. Donc regardez bien par vous-même, en fait. Ce qui va être sympa, c'est que plus tard, si vous avez envie de la rejoindre, vous pouvez sans problème la rejoindre. Donc, je vais mettre vite fait le cargo. D'abord l'anomalie. Je veux vous montrer les choses qui me manquent. Donc il va manquer quelques petits trucs. Hein. Il a du mal à rentrer. Hein. Ça sent le game over, ça, putain. Première fois, je vois que ça galère autant. Oh là là, heureusement que j'ai sauvegardé avant parce que ça va planter. Vous allez voir, il y aura marqué crash. Non, je joue plus à RK. Ça fait un bail, je l'ai laissé tomber. Eh, hey, ça a bugué là. Oh. Vous avez commencé à coincer? Heureusement qu'on peut les remettre, les trucs. Hein. Ouais, t'es un peu grave en retard, Cathy. Mais c'est pas grave, t'inquiète, tu pourras la regarder tranquillement. T'as le temps pour la regarder. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut accrocher, comme j'explique. Hein. Eh, hey, mais le jeu est complètement flagada. Oh, il est mort. Je viens de me faire niquer. Je peux plus rien faire. Là, je peux plus rien faire. Oh, heureusement que j'ai sauvegardé, je suis pas con. Je vous montre un dernier truc et après, on continuera la base de l'autre côté, c'est-à-dire les prochains lives. Comme ça, je ferai un vrai truc, en fait, qui a de la gueule, en fait. Que si je fais tout rapidement, ça va ressembler à rien, ça va être moche et vous allez pas kiffer.
Je vais vite fait dans l'anomalie vous montrer des trucs qui me manquent et qui auraient été hyper bien. Non, il y aura la gyrodiffusion, vous inquiétez pas. Il y en aura. Il est en train de se faire niquer par le bot. C'est le premier à se faire fumer par le bot. Non, bien sûr, il y aura la rediff. Il y a une rediff qui est en retard, qui va arriver, que je vous publierai demain. Et cette rediff, actuellement, je la republierai aussi demain ou après-demain. Je repars dans l'espace. En fait, ce qui va être sympa, c'est qu'on aura le sous-marin après. Ah, Victor, il n'a jamais changé. Voilà. Encore une fois, l'anomalie. Là, cette fois-ci, normalement, elle est censée marcher. Hein. C'est juste que peut-être qu'il y a eu un petit bug. Si le truc du milieu souffle, c'est que c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous voyez, c'était juste un petit bug. Mais je vais vous montrer, en fait, les choses que j'aurais bien voulu développer pour la base. Mais pour ça, il faut que je retrouve des modules technologie enfouis. Et vous allez voir, il y a un truc que je vais récupérer, ça va vous faire tout de suite plaisir. Vous allez dire, ah oui, ça a de la gueule. Donc, vu que j'ai de l'argent, vif, c'est-à-dire ils appellent ça comme ça, c'est avec cette personne-là, on pourra tout simplement acheter de la déco. En gros, quand quelqu'un va venir, il y aura des petites statuettes qu'il faudra tout simplement poser. Donc, créer des objets, voilà. Donc, on pourra, ça c'est pour les animaux, donc plus tard, on fera une énorme ferme aussi à l'extérieur. Je veux pas planter des fleurs, je veux pas planter par exemple des figurines comme ça, c'est super cher, j'ai que 4400 sans faisant des quêtes, vous avez vu, donc c'est pas intéressant. Donc je vais prendre peut-être des figurines, il y en a une qui m'a tapé, pas de l'œil, mais j'ai trouvé sympa, qu'on pourrait mettre. Donc déjà, ça peut être sympa ça finalement. Enceinte pour créatures, ouais. 800, je l'achète. Feu d'artifice, on peut s'amuser avec un feu d'artifice. Non recommandé pour truc extérieur. Donc ça c'est un seul feu d'artifice. Hein. Donc là vous avez un autre aquarium. On va en prendre un. Et bien sûr, dehors on pourra se mettre par exemple un vaisseau. Je sais pas si c'est grand ou pas grand ça. Il y a un truc qui m'avait fait marrer. Attendez. Marcheur, décoration. Ça a l'air petit. Voilà, la statue. Quand tu rentres, t'as une statue comme ça en or, mais une statue de toi. 500. Ça peut être sympa. Ah ouais? Tu trouves qu'elle est pas mal la qualité de la vidéo? Mais pourtant, je mets 4 fois moins en fait de débit, pour être franc avec toi. 4 fois moins. Donc là, il me reste encore un peu d'argent, donc je vais acheter un peu une statue en or, en argent, en bronze. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Le gros, là. Lui, le marcheur, statue de geek, et j'ai plus de crédit. Alors après, on pourrait acheter quoi? Statue d'Atlas argent. Voilà. Après, il y a des trucs comme ça. Donc ça, c'est de la déco, en fait. J'aurais dû même prendre celui-là, 800. C'est pas grave, on aura largement l'argent. J'ai quand même pas mal de pognon après ici. Ça qui est cool. Donc on a acheté plein de petites merveilles. Et ce que je veux vous montrer en fait, ce qui me manque, ce qui aurait été vraiment cool, ça va être d'acheter ça. C'est là que vous allez me dire, oui, il a raison le gars. Vous allez voir. Donc il y a des modules qui me manquent encore. Hein. Donc j'ai tout acheté ici. Vous avez pu voir. Donc des petites structures comme ça, des trucs comme ça. Au début, je pensais que ça se mettait juste au sol et après, t'allais être tranquille. Donc finalement, non. Donc les dalles, je les ai achetées. Le dallage, les petits trucs comme ça, basiques. Donc tout ça, je l'ai acheté. Les grands préfabriqués. Donc après, il va nous rester tout ça. Ça, je connais pas du tout. Donc ça, je l'ai presque débloqué à part le sol lumineux. Donc en fait, ça pourrait être hyper intéressant, par exemple, pour bien éclairer la base autour. Comme vous avez pu voir. Plus tard, on aura aussi de la musique qu'on pourra mettre. Des trucs de sphère, tralala. Là, on a quoi? On a tout simplement tous les engins, les aéronefs. Tout le module aquatique, je l'ai débloqué. Mais putain, les ressources que ça demande, bonne chance. Là, après, on a de les décorations qu'on pourra coller. En fait, c'est des vignettes ou des autocollants. Là, on a de la décoration à l'intérieur, juste classique. Hein. Là, on aura des drapeaux différents, des canapés à poser aussi plus tard dans la base. Il y a plein de trucs intéressants. Les éclairages différents.
différentes couleurs et tout, tout le tralala. Là, il va manquer encore quelques petits trucs, comme ça, vous avez vu. Des interrupteurs, des boutons, etc. pour pouvoir appuyer. Et des décorations encore, vite fait, il n'y en a que deux. Sinon, j'ai débloqué tous les plantes. Et pareil, pour les modules en bois, ça, on s'en fout. Les modules en métal, il va m'en manquer encore un tout petit peu. Les modules en béton, on s'en fout. Les modules après grand angle, ça, ça peut être sympa, par exemple, pour faire des trucs un peu sphériques. D'autres petits délires, faire des faux tuyaux, une fausse pyramide. Et là, on a tous les coffres débloqués. Il y a de quoi faire, hein, sincèrement. Ah, je l'avais déjà fait, ce let's play, en toute sincérité. L'horizon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup, beaucoup de choses, quand même, qu'on a déjà accomplies, hein. Je suis franchement content parce que ça a super bien boosté en fait tout ça. Et je vais vous montrer juste un dernier truc et après on reprendra plus tard la suite. Comme ça on aura fait déjà un grand tour là-dessus. Vous allez voir. Je retourne juste au cargo et après on aura vraiment fait un début de live de construction super cool. Bon c'est con, il veut lui hein. Vous voyez maintenant on commence un peu à changer. Le cargo, il va spawn en face de nous. Le cargo est à fond, hein, à 100%. Donc en termes de capacité, je me suis vraiment mis beaucoup dedans pour pouvoir améliorer les murs. Mais ça plante un mort de chien mort. Et regardez par vous-même. Et après, j'arrêterai. Après, quand je vous expliquais, on a beaucoup de vaisseaux, on a vraiment beaucoup de petites améliorations. Donc, les vaisseaux en eux-mêmes, regardez bien. Je regarde vite fait l'état des vaisseaux, c'est plutôt correct. Donc la flotte de guerre, elle est quand même bien partie, elle est en expédition, donc tout ça, vous le verrez plus tard. Donc ça, c'est les classes. Voilà. Donc tout ça, ça vaut des millions. Actuellement, on est à 185 millions de dollars. Bien sûr, j'aurais pu faire le gros crevard pendant qu'on attend... pendant qu'on était en train de jouer, c'est d'aller faire la récolte de tous les fleurs pour gagner encore et encore et encore d'argent. Encore plus d'argent, pardon. Vous avez vu? On aurait pu récolter tout ça encore. Tout ça, ça rapporte, mais de ouf. Regardez jusqu'à combien ça va. Je vous ai dit, les projets sont assez faramineux dans ce que j'essaie d'entreprendre, en fait. Voilà, ça va jusqu'au fond, là-bas. C'est extrêmement rentable, hein. Donc juste ces fleurs-là, ça rapporte 4 millions en fait. Donc tous les 2 heures, si je veux, j'ai 4 millions en fait. Mais bien sûr, ce sera que le début du projet. Donc ça va jusqu'au fond, je ne vais pas vous faire visiter à chaque fois, mais ça va jusqu'au fond là-bas. Donc l'éclairage s'éteint naturellement pour éviter de trop consommer. Ça va au fond là-bas et ça va au fond là-bas. Et maintenant, voilà, voyons voir vite fait les statues qu'on a débloquées. Donc c'est ça qu'on a débloqué. Des petites statues comme ça, en fait. Vous avez vu? Le problème, c'est le temps. Ah oui, oui, non, mais le tour de la galaxie, oui, tu peux te lâcher après. Attends, je mets ça là, comme ça, vous allez voir un peu ce qu'on a débloqué. Donc ça. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut faire ça à chaque fois. Parce que, en fait, le jeu, ici, il lag à mort de chez à mort. Ah, carrément, les hauteurs changent. Parce que celui-là il est mal fichu. Comme ça vous voyez un peu tout. Ce qu'on a débloqué à l'instant. Ce qu'on vient de payer en fait. Donc après j'ai un truc ici gigantesque. On peut même le foutre en milieu. Hein. Et un autre à côté. Animal. Ressources insuffisantes. Ah, connard. Donc ça, c'est dans les trucs là-bas. Voilà, un petit aquarium comme ça, vous en pensez quoi? Sympa, hein, ce qu'on peut faire sur le jeu. Les statues ressemblent à ça. Donc elles sont plus ou moins grandes selon les tailles, en fait. Donc c'est propre, en fait. Et c'est là, en fait, l'avantage, c'est qu'elle est en or, elle a l'air d'être un tout petit peu animée. Même pas, elles sont toutes animées. Non, c'est propre. Donc voilà les amis, donc merci à vous d'avoir suivi ce live. Je vous embrasse vraiment beaucoup.
Donc je vous souhaite à tous de passer une très très bonne nuit, une très bonne soirée. Et bien sûr, ceux qui sont arrivés un tout petit peu plus tard, vous inquiétez pas, il y a la rediff. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à faire un petit tour de temps en temps sur Twitch pour avoir mes lives à 20h, logiquement, à tous les jours. Ou presque tous les jours, ça dépend des moments. Voilà. Ah, tiens. Ah bah oui, perle vivante. Donc ça, plus tard, j'essaierai de le faire. Donc voilà. Il y a des bons petits trucs comme ça qu'on pourra décorer, etc. Donc un grand merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Gros bisous. À bientôt.